Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 12 avril 2024. Qu'est-ce que ça fait de lever sans le savoir des enfants qui ne sont pas biologiquement les vôtres? Quel est ou quel sera votre état d'âme si au bout de plusieurs années de vie commune avec votre épouse, vous découvrez que les enfants qui passaient tout le temps à vous appeler papa n'étaient en réalité pas les vôtres? Que ressent-on quand des années après, et ce parfois même à l'âge adulte, maman vous annonce que celui dont vous portez le nom et que vous appelez affectueusement papa ne l'était pas en réalité? C'est essentiellement ce dont il sera question au cours de cette émission qui, comme celle de tous les vendredis, se veut l'écho de notre vivre ensemble. Le phénomène est devenu préoccupant avec l'actualité qui est celle de Jérémy Ndistap, l'ancien international de football camerounais et le joueur de tennis Roger Federer. Le premier, Jérémy Ndistap, donc, après 16 ans de mariage, apprend qu'il n'est pas le père biologique des enfants qu'il a élevés tout ce temps. Pendant tout ce temps, le joueur de tennis Roger Federer de même. Le sujet focalise les attentions sur les médias sociaux au point que beaucoup d'influenceurs proposent que chaque État rende obligatoire le test d'ADN, mais on n'en est pas encore là. Il s'agit donc pour nous ce matin de commenter et d'analyser le sentiment qu'un homme peut avoir une fois qu'on lui annonce que les enfants sur lesquels il a investi pendant plusieurs années n'étaient pas les siens. Le débat, comme d'habitude, se fait avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va prendre les premières informations avec le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui nous propose cet entretien avec le professeur Michel Bocor au sujet de la forte chaleur que ressentent les populations béninoises ces derniers temps. Nous avons contribué à changer certains paramètres du climat. Il faut consommer de l'eau le plus possible. Ce sont les propos donc du professeur Michel Bocor dans les colonnes du quotidien Fraternité. Et puis, première session ordinaire de l'année 2024 au Parlement. Vitali Botton se prononce sur la vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Développement du sport, plus de 4 milliards de francs CFA aux fédérations et associations. Et puis pour difficulté de collaboration avec le ministère de tutelle, l'Ordre national des chirurgiens dentiste du Bénin suspendu pour 12 mois. Il faut dire que c'est une décision prise hier en Conseil des ministres, puisque la traditionnelle rencontre des membres du gouvernement a bel et bien eu lieu hier mercredi. Ça a couché de plusieurs décisions. Et puis le Conseil, hein, comme je l'ai dit, s'est réuni. Au titre des mesures normatives, il y a eu cette destitution de Maître Denise Ewuzu-Ganyito, qui est notaire à Cotonou. On parle également de la modalité de traitement de l'information policière, judiciaire et en milieu pénitentiaire. Il y a eu la création de la Société béninoise des infrastructures d'eau, Sobie, voilà, Sobie SA, et approbation de ses statuts. On parle de la suspension provisoire de l'ordre des chirurgiens dentistes du Bénin. Les sujets ont évolué. Il y a eu des nominations par endroit. Le gouvernement a également autorisé la participation du Bénin à travers le ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts aux réunions statutaires et autres rencontres de son ressort à l'extérieur au titre de l'année 2024. Il y a eu recrutement, sinon on annonce le recrutement de 300 fonctionnaires au profit des douanes et du trésor public au titre de l'année 2024. Le recrutement de 146 fonctionnaires de l'État, dont 100 greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation, toujours pour le compte de l'année en cours, l'année 2024. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. On va jeter un coup d'œil maintenant sur le travail de la rédaction tel que ramassé par nos micros et caméras. Ce serait le bulletin et c'est avec vous. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Arabe et bien bonjour à tous. Allez, le bulletin matinal, c'est avec vous. Et d'entrée, on évoque, hein, le travail du réseau des femmes élues locales
d'Afrique, chapitre Bénin, qui a tenu sa première session de l'année. C'est la commune de Natitingou qui a accueilli ses assises marquées par diverses communications sur le leadership politique féminin. La rencontre s'est achevée par l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du Refela Bénin. On va suivre tout à l'heure le compte-rendu que nous propose Abdou Sabi Idrissou de notre antenne régionale Atakora Donga, basée à Natitingou. À suivre également le compte-rendu de l'atelier de formation des enseignants sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. L'activité est l'une des nombreuses initiatives retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin. Il faut préciser que plusieurs modules ont fait objet de débats lors de ces échanges. Développement à suivre dans une poignée de secondes. Rebonjour à tous, on démarre avec la première session du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Les discussions sont axées sur le leadership politique féminin. La présidente du réseau a procédé à l'occasion à l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du Refela Bénin. Au nombre de 10, chaque présidente de commission a reçu une lettre de mission au thème de cette rencontre. Voici le compte-rendu de Alassane Haruna. Ces femmes sont toutes des élues locales, membres du bureau exécutif et présidentes de commission thématique du réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Bénin, Refela Bénin. En provenance des différentes communes à l'échelle nationale, elles sont à Natitingou pour la première session de l'année en cours du Conseil national du Refela Bénin. Au cours de ces assises, l'exercice consistera à entretenir les présidents des 10 commissions thématiques du réseau sur leurs missions précises avant de procéder à leur installation officielle. L'objectif de notre réunion, c'est d'installer les présidents des commissions thématiques. Nous en avons 10 et nous voulons les installer pour que, après, chaque présidente commence à animer les réunions de sa commission. D'ici 2026, le Refela Bénin ambitionne devenir une organisation influente très engagée dans la défense des intérêts des femmes et des couches marginalisées pour le renforcement du leadership politique féminin au niveau local. Pour y parvenir, le réseau s'est fixé plusieurs défis. Proposer des stratégies et des actions visant à mieux prendre en compte les préoccupations des femmes dans tous les domaines de la vie locale et nationale. De promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique locale et aux instances de gestion des collectivités territoriales. De renforcer les capacités des femmes élues locales et développer le leadership féminin dans la gestion des affaires publiques locales. De porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans les instances du Refela et dans toute autre instance au niveau national, régional et international. Invité à ces assises de Natitingou, l'autorité communale réaffirme son soutien au réseau. Je suis donc convaincu que la dynamique que constitue votre réseau à travers les différentes commissions thématiques sera un véritable tremplin pour porter haut les voix de toutes les femmes en vue de l'accélération des politiques nationales et locales en faveur de la promotion de la femme. De la communication sur le processus de mise en œuvre des plaidoyers en faveur de la femme et de son leadership aux stratégies pour une meilleure visibilité du réseau dans les débats nationaux, rien n'a été occulté au cours de ces assises qui consacrent l'installation officielle des présidentes des commissions thématiques du Refela Bénin. Une fois officiellement installée, chaque présidente de commission va recevoir une lettre de mission qui lui servira de bruyère.
Les enseignants du primaire et du secondaire sont outillés sur l'éducation à la santé sexuelle et sur la clarification des valeurs. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet « Ma santé, mes droits » de plan international Bénin. Cette formation a pour objectif de les aider à mieux accomplir leur mission. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Imet Hélène Amousso. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Ma santé, mes droits porté par Plan International Bénin à travers l'aide d'influence et de mise en œuvre des programmes d'Adjoum. Financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans, il vise à contribuer à ce que le système de santé communautaire familiale fournisse aux adolescents une éducation complète à la sexualité ainsi que les informations sur le droit à la santé sexuelle et à la reproduction dans un environnement sûr. Et à cet effet, nous travaillons pour atteindre 3 objectifs. Dont le premier est l'éducation complète à la sexualité, où nous voulons, où nous avons commencé par faire une évaluation de l'existant. Et à côté de ça, nous travaillons aussi pour le deuxième objectif qui est le service adapté aux adolescents. Et à ce niveau, il faut capaciter les prestataires de services et travailler à ce que nous passions des plaidoyers pour changer ce nombre de choses. Et troisièmement, nous travaillons pour le renforcement sud-sud entre donc les OSC, entre les pays. Pour l'atteinte des objectifs, plusieurs activités sont planifiées, dont une formation au profit des enseignants. L'activité est organisée en collaboration avec le ministère des enseignements maternels et primaires, de même que l'Institut national de la formation et de la recherche en éducation, INFRE. L'État avait déjà élaboré un certain nombre de documents de formation à l'ESS, constatant que il y a toujours du blocage. On a voulu former les enseignants pour qu'on brise les barrières qui les empêchent d'aborder avec aisance les concepts de SS dans leur classe, même en famille. Le rendez-vous de Keto a mobilisé tant les enseignants du primaire que du secondaire. Chaque catégorie a bénéficié d'une semaine de formation animée par des communicateurs ainsi que les membres de l'équipe de coordination du projet. Les thématiques abordées sont axées sur la clarification des valeurs et l'éducation à la santé sexuelle. Les thématiques abordées entraient beaucoup plus à la santé sexuelle et de la reproduction, notamment des adolescents et des jeunes, pour permettre que le dialogue aussi puisse être engagé au niveau des apprenants, qu'ils puissent discuter des questions de la santé sexuelle avec leur père, sans plus considérer ces thématiques-là comme des sujets tabous. Nous allons aborder un certain nombre de sujets sur la reproduction sexuelle, sur comment amener les apprenants, les éducateurs aussi, à pouvoir avoir la bonne manière de donner l'information. Nous sommes familiarisés avec beaucoup de concepts, à savoir infusion, infusion pédagogique. Nous avons découvert aussi des valeurs que doivent incarner les enseignants pour pouvoir orienter leurs pratiques pédagogiques afin de faire jouir aux apprenants leur droit à la santé sexuelle. Outillés à accompagner les jeunes en situation de classe en vue d'un changement de comportement, les enseignants participants à l'issue de la formation auront droit à des supports pédagogiques qui vont les aider à mieux faire le travail sur le terrain. Retour maintenant sur la fête du Ramadan célébrée mercredi dernier après un mois d'intense prière et de privation à travers la grande prière à la place Idi. La communauté musulmane de la ville de Boïkon a remercié Allah pour les bénédictions reçues avant les festivités. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Une place Idi bondée de monde ce mercredi matin à Boïkon. Venus des différents coins de la ville, les fidèles musulmans se sont mobilisés pour la grande prière. Le moment d'invocation marque le début des festivités de l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de privations diverses et de méditation, les disciples de Mahomet expriment ici leur reconnaissance au Tout-Puissant pour sa bienveillance qui leur a permis d'achever en toute quiétude le mois de Ramadan. Moment de renoncement, de partage, de pardon, d'affranchissement et de bénédiction, le mois de Ramadan cette année vient officiellement d'être clôturé. Saisissant l'occasion, les fidèles et l'imam ont prié pour la paix, la quiétude et l'abondance. Les vœux ont été formulés pour le bien-être du peuple. Dans son prêche, l'imam a surtout invité à la culture de la tolérance et de l'unité. Nous avons prêché et demandé aux gens de s'unir. Parce que toute chose qu'il n'y a pas, les gens ne sont pas unis, ça ne peut pas avancer. On a demandé à tout le monde, tout le mouvement, non,
que notre vie ou notre pays, on ne peut pas se développer sans l'unité. Tout ce qui va nous amener à de guerre ou bien de destruction, ça ne nous arrange à rien. À ce grand rendez-vous d'invocation, on pouvait noter la présence d'une délégation du conseil communal, de même que d'autres personnalités politico-administratives. On a prêché pour l'unité aujourd'hui. Cette unité, il nous faut. Moi, je rajouterais une chose, la santé et la paix. Tout simplement, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, notamment nous les politiques, que le pouvoir est divin. Je le dis parce que nous avons près de 25 ans de carrière politique, je sais de quoi je parle. Donc, que cela soit un cas de conscience, d'étude de conscience. Vous savez que le membre de Boycon est le président de l'Union islamique. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, on doit tout abandonner pour venir l'assister et prier avec lui. Voilà, donc c'est Boycon qui est honoré à travers l'imam. C'est très important. Nous avons aujourd'hui un poste important au niveau de l'Union islamique. C'est notre imam qui est le président de l'Union islamique du Bénin. Alors, on ne peut que l'accompagner. Voilà pourquoi on a tout laissé, que ce soit au nord, à Cotonou, pour être ici avec lui aujourd'hui. Maintenant, vous avez attendu tout ce que l'imam a dit. C'est dans l'unité que nous pourrons tout construire. Le pays a besoin d'être uni et je crois qu'il a prié aussi pour le chef de l'État, il a prié pour le maire, il a prié pour le préfet. C'est une très bonne chose. De retour de la prière, les uns et les autres sont retournés chez eux pour le festin. En plus d'avoir évoqué les bienfaits du jeûne, les fidèles ont été invités à maintenir les bonnes habitudes. L'imam a également rappelé les interdits avant de bénéficier pleinement des grâces du jeûne. Et pendant ce temps, la société béninoise de brasserie Sobebra dévoile le nouveau visage de la bière la béninoise. C'était en début de semaine en présence d'un parterre de personnalités, cadres et retraités de la société. Esther Tofa et Derun Pévi. Et au sein de mon pays à toute la nation que, en utilisant la force du vent, en modifiant son cœur avec les paroles incantatoires, avec la force du feu. Elle se pare d'une nouvelle robe. La béninoise en bouteille arbore un nouveau look. Un look qui rappelle ses origines et les couleurs du drapeau du Bénin. On voit aisément la qualité et la tradition se refléter à travers les emblèmes de notre pays qui sont notamment le drapeau national. Et il y a une des couleurs du drapeau national qui est aisément bien mise en avant dans la nouvelle étiquette qui est la couleur verte. Cette couleur verte qui nous rappelle l'abondance de nos terres, l'abondance de notre pays en ressources agricoles, dont notamment le premier céréal qui rentre en ligne de compte dans la production de la béninoise, qui est le maïs. Et en dehors de cela, il y a également la couleur jaune du drapeau qui est également mise en avant dans le décor. Et cette couleur qui rappelle, qui fait le présage de l'espoir, c'est-à-dire quoi, la richesse, l'espoir pour notre pays. En l'occurrence, et le rouge, enfin, qui rappelle la vaillance de notre peuple, le courage de nos hommes et de nos femmes. Et donc, tous ces éléments-là réunis ensemble viennent mettre en avant le logo de la béninoise qui rappelle une tradition d'excellence, de qualité et de générosité. Ce look, selon les responsables de la société béninoise de brasserie Sobebra, ne change en rien son goût et sa saveur. Après 4 métamorphoses depuis 1980, la bière de plus de 6 décennies d'âge garde la même authenticité. Vous annoncez que cette bière par elle-même n'a pas changé. C'est une bière qui est produite toujours par des céréales de qualité, de l'orge bien évidemment, du maïs, mais aussi de l'houblon qui donne l'arôme, qui donne l'amertume équilibrée de cette bière. Depuis 66 ans. 66 ans, c'est 6 décennies. Et pour nous, il y a un passage de témoin de la génération ancienne à la génération nouvelle. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est le même goût, c'est la même saveur. C'est un produit conditionné en deux formats. Le petit modèle, 33 centilitres, et le grand modèle en 65 centilitres. Les prix restent inchangés. Une séance de dégustation est offerte aux invités à la fin de cette cérémonie de présentation du nouveau look de la bière La Béninoise. Elle est disponible au niveau de tous les points de vente depuis quelques jours. La réponse est une réalité. 3 énigmes ont été prononcées pour dire que qu'est-ce qui est resté rajeuni auprès de ton père et de ta mère.
Comment il a fait? Qu'est-ce qui s'est raté pendant que toi tu as connu ta saveur de jeunesse? Voilà, ce sera tout pour cette session de formation Wahab. Ingrid, c'est votre passage. Merci beaucoup pour cette livraison des informations à nos téléspectateurs. L'information continue sur Actu Matin. On observe une courte pause et on revient par l'espoir avec Ali Moumouchi. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porte-Nouveau, Avapa ou Parakou, Tramza. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Arab. Comme je l'ai annoncé, l'espoir, c'est avec vous. On va parler ce matin du championnat amateur de football, la Ligue du Bénin donc. Mais l'actualité dominante depuis hier au plan national, c'est la remise de subventions aux différentes fédérations sportives. Oui, Arab, vous l'avez bien dit. Le ministre des Sports a procédé ce jeudi 11 avril 2024 à la remise de subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations, aux clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations qui s'inscrivent dans la dynamique du développement du sport au Bénin. Tous les acteurs du mouvement sportif étaient à la cérémonie en images, bien entendu, qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. 8 milliards de francs CFA, tel est le montant global investi par le gouvernement dans le sport au titre de l'année 2024. Plus de 50% revient aux subventions octroyées aux différentes structures sportives, à savoir 35 fédérations, 70 centres de formation, 146 clubs en compétition et 4 autres organismes de soutien au sport. On va suivre le ministre qui nous apporte quelques précisions sur le montant octroyé à ces différentes fédérations. Qu'il vous souvienne que le jeudi 7 mars 2024, ici même au Palais des Congrès, je vous informais de la décision du gouvernement à prendre en charge la préparation et la participation des équipes nationales de l'ensemble des disciplines aux compétitions internationales majeures, à savoir les championnats d'Afrique et les championnats du monde. À cet effet, outre les 3,2 milliards déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels une subvention d'un montant global de 4 655 millions de francs CFA. Allez, vous l'avez compris, près de 5 milliards sont donc investis pour accompagner les différentes fédérations et les clubs en compétition. Mais la particularité, c'est le mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle des finances publiques mis en place par le ministre des Sports et l'ensemble du mouvement sportif béninois. C'était quelques heures avant la cérémonie de remise de subventions et ceci concerne aussi bien les fédérations que les clubs. Voici les explications du ministre béninois Dato. Cette année, deux nouveautés s'observent. La première, c'est la mise en place, dans une démarche consensuelle, des critères pertinents et objectifs qui récompenseront les fédérations qui auront les meilleures performances. Ces critères sont au nombre de 10 pour les fédérations et de 4 pour les clubs professionnels. S'agissant des fédérations sportives, les critères au plan national sont la qualité de l'encadrement technique et de l'arbitrage, la qualité de la gestion administrative et du fonctionnement, la qualité de la gestion financière, la qualité de la gestion stratégique, la qualité de la gestion des ressources humaines opérationnelles, le sponsoring, la capacité d'organisation des compétitions, la démocratisation de la pratique sportive. Au plan international,
Ces critères tiennent compte essentiellement du niveau et du type de compétition et du rayonnement international. En ce qui concerne les clubs professionnels bénéficiaires des subventions, les quatre critères retenus sont relatifs à la performance sportive, à la gestion administrative, juridique, financière et du personnel. La seconde nouveauté concerne l'inédite enveloppe financière globale que le gouvernement met à la disposition du mouvement sportif béninois. Allez, à la sortie donc de cette cérémonie, nous avons tendu nos micros à certains présidents de fédérations qui nous ont livré leur impression. Concernant la prise en charge des équipes nationales, c'est très salutaire. Parce que vous ne savez pas, le passé, toutes les fédérations ont du mal à faire les expéditions, à être présentes aux différents rendez-vous, soit sur le continent ou sur le plan international. Est-ce que vous voyez? Parce que l'achat des billets et autres, ça coûte excessivement cher pour les fédérations et les subventions ne parviennent pas à couvrir cette charge. Donc c'est salutaire et nous remercions beaucoup le gouvernement pour cet effort à nous faire. Alors, parlant des critères, c'est tout à fait normal. Parce que pour nous tous, chaque fois quand nous attribuions les subventions, on se demandait c'est sur quelle base. Parce qu'on se dit pourquoi telle autre fédération a reçu plus que l'autre. Donc aujourd'hui, nous sommes tous briefés et nous avons une boussole désormais pour mieux travailler et mériter les subventions désormais. C'est une très bonne chose. Nous reconnaissons tous ensemble que les fédérations travaillent, surtout les jeunes fédérations comme les nôtres. On pense qu'on ne fait pas de boulot. Donc si ces évaluations viennent et qu'on se qualifie peut-être pour les Jeux Olympiques, comme on l'avait fait en 2014, si aujourd'hui l'escrime par exemple se qualifie forcément, ça me donne beaucoup de points, ça me fait 20 points. Ça veut dire que je passerai devant beaucoup de fédérations. Donc dans ces évaluations, je suis sûr que je travaillerai plus parce que mes subventions vont décupler. Donc je crois que nous remercions cette initiative parce que cette initiative viendra corriger des erreurs qui sont faites dans les subventions et à partir de ce moment, les fédérations vont travailler davantage et on aura de très très bons résultats. On a travaillé ensemble, donc ce n'est pas en dehors des fédérations, ça n'a pas été imposé aux fédérations. Ça a été une collaboration entre les fédérations et le ministère pour mettre tout cela en place. Donc vous avez vu ce matin, c'est à l'unanimité, on a tous validé ces critères-là qui désormais vont guider le pas et vont permettre aux fédérations d'avoir réellement, de pouvoir asseoir leur rigueur de gestion. Parce que parfois, c'est à l'intérieur qu'il y a des difficultés. Quand il y a les subventions, parfois, vous avez du mal à faire passer certaines décisions parce qu'on pense que c'est trop compliqué, c'est trop dur. Mais avec tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui, donc on a le gouvernail, on a les règles, on a la route désormais balisée pour pouvoir fonctionner avec beaucoup de rigueur. Vous voyez, quand vous regardez la subvention qui est accordée, le basketball a eu 100 millions l'année dernière, mais cette année, 100 millions. Mais c'est que ce qui a été accordé et qui est massif, qui pour nous est énorme, c'est l'accompagnement des sélections nationales, l'accompagnement et le financement de l'ensemble de la direction technique, le fonctionnement et l'accompagnement également en matière de structuration et puis d'équipement. Donc c'est beaucoup, c'est trois fois ou quatre fois plus que les 100 millions qui ont été accordés. Donc nous avons aujourd'hui, je pense sincèrement, les coups de franche pour aborder certains sujets, aborder certaines compétitions et surtout réussir à ramener des médailles, ramener des trophées et pour faire plaisir non seulement aux autorités qui nous accompagnent, mais surtout à la nation bénine. Ah oui, vous savez, quel que soit le montant qui nous avait été attribué, c'est dans ça qu'il fallait préparer les sélections nationales, c'est dans ça qu'il fallait participer aux différentes compétitions internationales. Ce qui fait qu'à un moment donné, on faisait des choix stratégiques, qui faisaient qu'on n'était pas sûr d'être partout à la fois. Et cette fois-ci, à partir de cette année-là, nous sommes suffisamment convaincus que la participation de nos équipes nationales, notamment pour le volley, à la prochaine CAN de beach volley qui va se tenir au Maroc, au prochain championnat d'Afrique de moins de 20 ans et autres compétitions à venir, je crois que ce serait en dehors de cette subvention-là, ce serait entièrement pris en charge par le ministère des Sports, de la préparation jusqu'à la participation. Je crois que c'est un ouvre de soulagement. Et ce qui est encore beaucoup plus soulageant, c'est que dès maintenant, nous savons les critères sur lesquels nous serons évalués pour la subvention 2025. Donc, pour 2025, en venant ici, personne ne sera angoissé. Chacun saura à peu près à quoi s'en tenir. Chacun peut déjà savoir l'enveloppe qui l'attend ici en venant en 2025.
Eh bien, c'est clair désormais pour toutes les fédérations. 8 milliards sont investis cette année pour le sport en général. Et donc, à partir de 2025, toutes les fédérations bénéficient de subventions de l'État vont devoir justifier, voilà, selon les critères énumérés par le ministre des Sports, les activités qu'ils ont, sinon les performances de les différentes institutions. On va poursuivre avec les informations, puisque vous l'avez annoncé, on va parler du championnat national amateur de football, équivalent bien entendu de la Ligue 3 au Bénin. Au niveau de la zone A, les rencontres de la 14e journée ont été disputées en milieu de semaine. CFS s'est incliné à domicile, 0 but contre 1 face à Abisport. La GSV s'est imposée à son adversaire du Tambo, 1 but à 0. Et Talon et Sitatunga se sont séparés sur 2-2, score de parité, 1 but partout. Asos s'est incliné aussi à domicile, 1 but à 0 face à l'équipe de la JAM. Et puis pour finir, il faut noter la victoire de 2 buts à 0 de Espérance. C'était face à l'équipe de l'USS Kraké. Au niveau de la zone B, les rencontres de la 12e journée auront lieu ce week-end et à partir du 13 avril, la JSA affrontera Okuta, Delta FC jouera contre Gomido FC, Boa de Sinandé sera l'adversaire à jouer de l'US Baboni et puis le 14 avril, Boa de Sinandé affrontera Sota FC pardon, et l'US Baboni affrontera l'équipe de Énergie le 14 avril, donc le dimanche prochain. Prenez le rendez-vous aussi ce samedi, il y aura les rencontres de la 15e journée au niveau de la zone A sur les différentes installations. Voilà. C'est l'essentiel pour ce matin. C'est l'essentiel à retenir ce matin avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. On va faire venir par ici un DJ Azlok, lui qui célèbre sa 25 ans de carrière. Ce sera demain au Palais des Congrès de Cotonou. C'était assorti d'un grand événement. Il viendra nous dire les tenants et aboutissants. A tout de suite. Coucou mes Warriors! Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mickey Technologies. On y va! Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà! Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Neo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Allez, on parle culture cette fois-ci avec DJ Azlok. Ça lui fait 25 ans de carrière. Hein. Ce n'est pas petit, un quart de siècle hein, dans le monde du showbiz, si on va dire les choses ainsi. Et cela se célèbre demain samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Vous allez prendre le rendez-vous de 22h si tout va bien. C'est assorti, je dirais, du Grand Prix de la musique béninoise. DJ Azlok, bonjour.
Bonjour, monsieur Junel. Merci de vous être montré disponible pour nous accompagner dans l'éclairage que vous allez apporter sur vous-même. Sur vous-même, ça devient en quelque sorte une forme d'autobiographie, si on va dire sûr, les choses sûr. Comme ça. Didier Azlok, c'est qui exactement à l'état civil? Didier Azlok, à l'état civil, c'est Azelo Kono Eric, alias Didier Azlok. Oui. Et ça a commencé à Bomé depuis le bas âge. Mm-hmm. J'étais encore au cours primaire. C'est ça. J'avais un oncle dénommé Placide Pédé qui était un prestataire de sonorisation qu'on appelait les opérateurs. D'accord. Voilà. Donc il fait partie de ce corps et je l'accompagnais pour les câblages et les installations au cours de ces différentes prestations. Et vous-même, et vous tout. Avez pris goût. Oui, j'ai pris goût. D'accord. Allez, ce petit exercice, petit à petit, a donné des années plus tard, je dirais, un homme respecté sur le plan national, peut-être pas, peut-être pourquoi pas, au-delà même de nos frontières. Didier Azlok, c'est 25 ans de carrière, comme nous l'avons dit. Le contenu, c'est quoi? Ce parcours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut retenir que, après quelques années, la passion, c'est devenu une passion pour moi. Mmh. Parce que je me rappelle la première fois où j'ai suivi un DJ en prestation, c'était au cours d'un événement, si vous me permettez, Marlboro. D'accord. À Bomé, avec un DJ professionnel sur les platines vinyles. Mmh. Et je faisais partie de ces jeunes qui, quand il y a un DJ anime, il y a toujours des enfants qui sont à côté, qui apprécient. Oui. Et à un moment donné, on a encombré le DJ. Et il y avait un policier qui était venu nous évacuer. Mais moi, je ne savais même pas que... Déjà, on me tirait derrière, on me donnait déjà des coups de bâton. C'est ça. Et c'était parce que j'étais déjà plein dedans. Le DJ a constaté, bon, je lui fais hommage, il s'appelle Ben, DJ Ben. C'est ça. Il a constaté, il a dit, bon, laissez le petit, que si c'est lui seul qui est là, ça ne le dérange pas. D'accord. Et c'est le jour-là que j'ai suivi toute la prestation d'un DJ professionnel pour la première fois de ma vie. Et c'est resté dans ma vie. C'est devenu comme une école là, même temps. Vous avez fait votre apprentissage avec cette anecdote que vous avez. Sinon, avant, c'était. Juste les câblages, les installations et tout, mais la platine, c'est le jour-là le plus gros à la platine. D'accord. Et j'ai commencé par les animations, les journées culturelles, les dans balles. Dans les écoles. Voilà, les balles après, les journées culturelles dans les collèges et lycées, les animations privées, les balles dancing d'Abomé. Et j'ai fait les trois boîtes de nuit à d'Abomé Boycon. Avant de rencontrer un grand frère que vous connaissez bien, Jean-Louis Azé. Oui. Ça, c'est le tonton, on lui tire chapeau, Jean-Louis Azé. Qui m'a suivi dans une de nos boîtes et qui m'a demandé de venir à Cotonou, il m'a remis sa carte. Oui. Je suis venu le voir et voilà, le parcours de Cotonou a commencé. Avec l'aide également de Cancola de Tempo, un grand frère que je salue, de passage aussi. Donc, c'est eux qui m'ont présenté. Au promoteur de boîte de nuit et voilà donc le parcours a commencé un peu j'ai pratiquement fait le tour de toutes les boîtes de nuit à l'époque et après voilà ça a débouché sur les événements, les concerts avec la première édition de Yellow Summer, Move Dance Crew, Benin, Togo. Ça c'est à la limite des tournées, voilà. Dans les communes du pays. Oui. D'accord. Oui, avec également aussi la fête des bières, de la première à la dernière édition. Et bon, à l'international, on peut parler du Togo, de la Guinée. Et bon, j'ai eu également la chance d'aller en Belgique avec le Sabourin. D'accord. Le doyen Sabourin Daniel Vaudoun. On lui dit bonjour aussi. Voilà, donc... D'accord. Alors, quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans vos prestations? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ce qui m'a le plus touché, c'est le Festival Vaudou. C'était en quelle année? C'était le Festival Vaudou, c'était en 2016. D'accord. 2016. Et voilà, j'étais allé juste pour le festival. Et après le festival, on devait rentrer. Mais je partais déjà pour l'aéroport et dans le taxi, on m'a donné un prospectus, le chauffeur m'a donné un prospectus
Et j'ai lu que Serge Beno était en prestation quelque part. Et je lui ai dit, ah waouh, je connais Serge Beno. Il a dit, ah bon, je connais. J'ai dit, oui, je le connais. Lui me disait que c'est son frère qui a organisé l'événement. C'est ça. Et c'est un Rwandais. C'est son frère qui a organisé l'événement. J'ai dit, ah bon, donc il connaît Gaëtan, le manager de Serge Beno. Il a dit, oui, qui vient de même de le déposer. Oui. J'ai dit, ah bon, donc il a appelé son frère. Et il lui a dit que voilà, il est avec un certain DJ Azlock. Et a dit, ah, lui c'est le meilleur DJ d'Afrique. Je l'ai connu sur plusieurs scènes avec Doug Saga, avec DJ, les DJ, tout ça. Donc, automatiquement, ils m'ont fait intégrer dans le dispositif. Dans le dispositif. Et le même jour, j'ai été animé sur l'événement avec Serge Beno. Oui. Et c'est là où j'ai pu rencontrer beaucoup de DJ, beaucoup de promoteurs. Et j'ai été obligé de changer mon billet, de prolonger un peu. Et j'ai encore fait 2 semaines en plus à travers l'Europe. Là, j'étais allé en Suède avec la Fifi Fender et José Elmar. On était allé en Allemagne, on était venu à Paris aussi, à Lille, voilà. D'accord. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué, parce que je rentrais déjà. Oui. Il y a eu un élément modificateur. D'accord. Oui. Allez, les quarts de siècle, 25 ans de carrière, vous avez décidé de célébrer cela. Ce serait, je crois, à 22h demain samedi, au Palais des Congrès de Cotonou. Comment les choses vont se passer? J'ai profité de ce public qui va m'accompagner pour mes 25 ans de carrière, pour lancer un grand projet dénommé le Grand Prix de la musique biennoise, comme tu l'as dit. Oui. Donc c'est de célébrer mes 25 ans de carrière et profiter de cette tribune d'importantes personnalités de l'industrie musicale, du showbiz et d'acteurs politiques influents et autres mécènes pour lancer ce projet. D'accord. Et ce projet, c'est pour valoriser la musique béninoise dans une autre forme. Mmh. C'est d'abord reconnaître ce qui a été bien fait, et les acteurs à divers niveaux, et après distinguer ce qui se fait actuellement et de façon à intéresser d'autres personnes. D'accord. À accompagner la promotion de la musique béninoise. D'accord. Donc je voulais parler des DJ, des collègues DJ qui se démèdent pour la promotion de la musique béninoise. D'accord. On va les distinguer et on va les honorer. Également les mécènes, les arrangeurs qui ont beaucoup accompagné la musique béninoise dans la programmation des rythmes béninois. D'accord. Alors, une petite parenthèse. Monsieur et madame, tout le monde est, je dirais, DJ désormais avec les réseaux sociaux et autres. Est-ce que DJ, le travail de DJ, ça nourrit son homme aujourd'hui avec les réalités du moment, l'avancée de la technologie et autres? Bien sûr que ça nourrit son homme. Pourquoi? Parce que quand on parle de DJ, c'est d'abord la connaissance de la musique. D'accord. Et tout le monde peut devenir DJ, mais tout le monde n'est pas forcément professionnel de la chose. Cultivé d'abord en musique. D'accord. Il faut connaître les sons et il faut connaître beaucoup de sons. Oui, savoir comment les enchaîner. Voilà, savoir comment les enchaîner et voilà, les contours de la profession et tout pour se déclarer DJ. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que vous souhaitez également valoriser tout ce qui se fait dans le monde de la musique demain samedi, et vous parlez de ce grand prix de la musique béninoise. Le contenu que vous voulez donner à, je dirais, à cette séquence de l'événement de demain, c'est quoi? C'est d'abord une soirée, une grande soirée. C'est ça. Et qui va faire vivre... On va parler musique demain. Voilà, on va parler musique. Ces 25 dernières années, tout ce qui s'est passé en musique, ce qui se jouait avant que nous on arrive, ce qu'on est venu voir dans les nightclubs, on a bien fouillé, concocté tous ces répertoires-là pour sortir quelque chose. Donc, demain, ce serait que des tubes. D'accord. Les tubes béninois et afro, voilà. Donc c'est ça d'abord. Et au cours de ce show,
nous allons distinguer ces DJ qui vont nous accompagner, qui déjà accompagnent la musique béninoise d'une manière ou d'une autre, ouais, dans leur bar ou boîte respective. Ouais. Parce que s'il suffit de faire Cotonou by Night un soir pour savoir où se joue vraiment la musique béninoise. D'accord. Donc ça se sait. Ça se sait. Donc ceux-là, on va les distinguer et leur donner des tableaux d'honneur. D'accord. Dans le même temps, remercier, je vais quelque chose m'a marqué aussi. Oui. J'ai parlé des mécènes parce que je connais un monsieur, je lui fais dédicace, monsieur Clovis Agonsou. D'accord. Et à chaque fois quand je vais animer pour lui, lui t'impose la musique béninoise à 100%. C'est ça. Pas 99%. Mmh. 100%. Et la dernière fois que j'ai animé pour lui, j'ai fait 4 jours d'animation. C'est avant, pendant et après, c'est toujours musique béninoise. Allez, voilà quelqu'un qui peut jouer ce que tu veux, mais c'est toujours musique béninoise. Si c'est pas béninoise, toi, tu quittes là. Oui. Allez, et un coup spécial à Clovis Agosso. Voilà, donc voilà, des gens comme ça, oui, on en a besoin. D'accord. Alors, quelles sont les modalités d'entrée? Le rendez-vous, je le précise, c'est demain à 22h. Il suffit de nous contacter au 97 00 99 60 pour avoir plus de détails. D'accord. Voilà, donc alors, tout le monde au palais des congrès. D'accord. Et demain soir à partir de 22h pour le grand show. D'accord. Allez, c'est jusqu'à l'aube. C'est jusqu'à l'aube. Tout a été. Il y aura les grillades, whisky, champagne, tout ce que vous savez. Voilà, d'accord. Allez, contactez DJ Azlok et vous avez le reste des détails. Le rendez-vous, bien entendu, c'est demain samedi à 22h au palais des congrès de Cotonou. Une dernière question qui sort carrément du cadre pour nous installer dans le débat de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait quand peut-être, après plusieurs années de vie, peut-être 16 ans, 18 ans, 20 ans de vie commune, on vous dit que les enfants qui vous appellent papa à la maison ne sont pas vos enfants biologiques. Voilà. Ça me dépasse. Ah bon, quelle sera votre réaction quand vous allez apprendre ça, soit par des soupçons, bien c'est madame même qui peut-être finit par vous faire une confession que vraiment tous ces enfants qui depuis plusieurs années vous appellent papa ne sont pas les vôtres. D'abord, Bon, avant qu'elle me dise ça, oui, il faut que moi-même je soupçonne déjà des d'accord, choses. D'accord. Parce que même si ça me surprend, je vais chercher à comprendre réellement, d'accord, si c'est vraiment le cas. D'accord. Et si c'est vraiment le cas, franchement, je ne saurais dire quoi faire. Je ne sais même pas ce que Vous êtes dépassé par les événements. Je suis dépassé. Allez, on va voir les invités sur le plateau. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure pour faire le débat. On verra quel sera leur état d'âme face à une thématique pareille. C'est le débat de ce vendredi. À tout de suite. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chut.
Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porte Nouveau, Avapa ou Parakou, Tramza. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Coucou mes Warriors! Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va! Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà! Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold, il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Neo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Bonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi, fait de société avec une thématique quelque peu singulière, mais qui fait le tour du monde, il faut le reconnaître. On va commencer par une série d'interrogations qui va nous installer dans le débat. Qu'est-ce que cela fait d'élever sans le savoir des enfants qui ne sont pas biologiquement les vôtres? Quel est ou quel sera votre état d'âme si au bout de plusieurs années de vie commune avec votre épouse, vous découvrez que les enfants qui passaient tout le temps à vous appeler papa n'étaient pas en réalité les vôtres? Que ressent-on? Oui, que ressent-on des années après et ce, parfois même à l'âge adulte, lorsque maman vous annonce que celui que vous appelez affectueusement papa n'était pas en réalité le vôtre? C'est la thématique de ce vendredi, thématique que nous allons développer avec vous au téléphone et avec les débatteurs sur le plateau. Je vais commencer par vous les présenter. Vous êtes habitué à cette différents visages. À ma droite, Ghislain Jérôme Diroquin. Ghislain, bonjour. Bonjour, Ahab, et bonjour aux téléspectateurs. Allez, c'est un confrère de plusieurs chaînes, s'il faut dire les choses ainsi, animateur radio-télé. Il est avec nous ce matin, merci beaucoup. Ella Glenley, bonjour. Bonjour, monsieur Ahab. Coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci également pour votre disponibilité. Merci. L'homme qu'on ne présente plus. Da, Nkafebio, Koko Asen Medewayon. Bonjour. Bonjour. Salut les téléspectateurs. Merci beaucoup. Allez, la thématique du jour, c'est à Koko Asen Medewayon que je vais adresser cette question comme ça de façon quelque peu frontale. Qu'est-ce que cela fait, Koko Asen Medewayon, de découvrir plus tard que les enfants que vous, sur lesquels vous avez investi pendant plusieurs années n'étaient pas les enfants, vos enfants biologiques? C'est-à-dire que vous découvrez au bout de plus, dans votre tête par le passé, c'est que ce sont vos enfants. Mais plus tard, vous découvrez que franchement, ce sont des enfants d'autrui qu'on vous a fait élever pendant plusieurs années. Alors là, vous êtes le bon samaritain. Donc, voilà, sur ce genre de sujet, j'affronte les femmes et que d'autres femmes disent que chaque fois, moi, je suis contre les femmes. Alors, je ne suis pas misogyne. Je prends les choses telles qu'elles se passent. D'accord. Et quand ça touche, la dignité de l'homme, oui. Je ne pardonne pas. C'est moi, ça. Je ne pardonne pas parce que il vaut mieux se séparer de la personne au lieu de l'amener
à élever les enfants, à dépenser pour ces enfants-là. Il vaut mieux dire la vérité, se séparer ou bien dire la vérité à la personne au départ. Mais quand on fait ça, cela dépasse même la sorcellerie. Ah bon? Et cela dépasse la sorcellerie parce que il y a sur tous les toits, beaucoup de... je ne peux pas dire tous les toits. Il y a sur beaucoup de toits, dans, dans beaucoup de maisons, ces genres de... De situations, de phénomènes. Et elles sont là, alors que ce que l'homme plante, l'homme récolte ce, ce qu'il plante. La femme doit récolter finalement ce qu'elle plante. Donc, il vaut mieux aller directement dire à la personne ce qu'il en est et que comment vous allez traiter ce dossier, comment vous allez prendre le dossier. Si vous mettez ça en procédure d'urgence, voilà. C'est pour une session extraordinaire. Pour se prononcer. Ou si c'est ultérieurement qu'on va revenir là-dessus. D'accord. Allez, on va écouter Ghislain Jérôme Diroquin. Je rappelle que ce sujet, ça fait vraiment l'actualité un peu sur les réseaux sociaux en référence à ce cas de Jérémy Bouzitab. C'est un ancien international du Cameroun, n'est-ce pas? Un footballeur international. Après 16 ans de vie commune, n'est-ce pas, avec son épouse, il découvre que ses enfants appartiennent à autrui, alors que lui, il a pris toutes ces années-là à investir sur les enfants, pensant que c'était ses propres enfants, n'est-ce pas. On a appris tout récemment que le joueur de tennis également, Roger Federer, n'est-ce pas, victime de cette même situation. Visiblement, ce sont les acteurs du monde sportif, mais il y a également que dans nos ménages, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislain Jérôme Diroquin? Je trouve tout simplement que c'est un péché. C'est un péché. C'est une trahison. C'est une trahison. Et cette situation, c'est désormais courant. D'accord. Dans nos réalités, dans nos villes, dans nos maisons. Ça fait mal. Ça fait mal. Élever un enfant, c'est pas facile. C'est de l'investissement. Celui qui t'appelle papa, tu comptes déjà sur lui. Tu sais que là, quand je serai peut-être vieux, c'est ce dernier ou bien c'est cette dernière qui prendra... Tu prépares même un héritier en quelque sorte. Voilà, voilà. Et parfois, excusez le thème, ces sorcières vont jusqu'à obliger papa à vite partager ses biens. Et c'est après le partage qu'on se rend compte que, écoutez, ses enfants n'étaient pas les miens. Que papa faisait carrément de l'élevage. Voilà. C'est pas... Vous savez, aujourd'hui, j'entends dans les discussions, dans les ménages, maman qui, parce qu'elle s'est énervée, peut-être dit à papa, d'ailleurs, Vilionitoya. Ah bon, c'est-à-dire qu'il y a une vague qui t'appartient et une autre qui appartient à l'autre. C'est pas tes enfants, voilà. Est-ce que c'est pas de l'aider les c'est ça, les véritables conséquences. Un enfant sur qui tu comptes déjà, tu l'as élevé, tu as payé sa scolarité, la nourriture, n'en parlons plus. Et c'est au soir de ta vie que tu te rends compte que, écoutez, c'était un investissement à perte. Allez, ça fait mal. Ça fait mal. Non, respire. C'est plus fort que la sorcellerie, comme l'a dit. Oui, respire. Alors, elle a glélé. Je ne veux pas vous positionner, je dirais, à la place de la représentante des femmes, malheureusement, parce que ça s'apparente à un procès. Si on, après avoir écouté Coco Hassan Medeoyon et Ghislain Jérôme Diroquin, ça s'apparente à un procès qui est fait, n'est-ce pas, en direction des femmes. Mais comment cela peut arriver? Qu'est-ce qui peut amener les femmes, comme on le dit, à procéder ainsi, à poser un acte pareil, garder des enfants, les présenter à un homme comme si c'était les siens, le monsieur il investit et c'est des années plus tard que pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, on finit par découvrir que les enfants n'appartenaient pas au monsieur. Moi, en regardant un peu la société, je peux deviner deux cas. D'accord, allons-y. Le premier cas, c'est déjà la femme qui a déjà contracté la grossesse avant le mariage, sans que le mari qui ne soit au courant qu'elle est déjà enceinte d'un autre homme. Ça, c'est le début. C'est-à-dire qu'elle elle a mené la grossesse. Dans le mariage. D'accord. Donc, l'autre, chemin faisant, on lui dit, je suis enceinte.
croyant que c'est pour lui la grossesse, oui. Il accepte. D'accord. Mais la femme, elle sait bien que la grossesse appartient à telle personne. Oui. Voilà, le... Madame, vous suivez, voilà, voilà le premier cas qu'on peut détecter. D'accord. Deuxième cas, c'est déjà la femme qui est dans le foyer et qui s'adonne à l'infidélité répétée. Oui. Elle peut toutefois tomber enceinte au dehors et le ramener à son mari. Parce que pour dehors, elle s'y peut enceinter. Oui! Tu es en train de faire, non? Ça peut venir. À tout moment. À tout moment. Le truc ne connaît pas pour l'intérieur ni pour l'extérieur. Non. Non. Donc, ça. Si ça vient de peur de dire, je ne veux pas détruire ma foyer, je ne veux pas partir, elle le garde. Oui. Mais moi, je condamne ça. Je condamne ça jusqu'au dernier degré même. D'accord. Je le condamne. D'accord. Alors, pour ce premier schéma, vous avez vu le premier exemple qu'a donné Ella Glele, M. Koko Hassen Medewoyo. Est-ce que vous trouvez qu'en temps normal, les choses devraient se passer ainsi? Parce que oui, il y a que dans les amitiés, la femme est un peu concurrencée par deux hommes ou peut-être même plusieurs et qu'elle passe pour livrer la chose un peu partout. Il se peut qu'en intégrant le ménage à la fin, elle vienne avec, je dirais, la grossesse et que l'homme qui l'accueille, il ignore. Mais elle a conscience de ce que la grossesse n'appartient pas à là où elle a fondé le foyer. Pour ce, je vais vous conter une petite histoire qui me concerne. Allons-y, le tome 1 de Koko Hassen Medewoyo, ce vendredi. Le tome 1. La page s'ouvre. Vous savez, la femme sait très bien celui qui l'a enceinté. Mm-hmm. Est-ce que vous savez? Donc, un jour... Mais elles disent parfois qu'elles ne savent pas. Hein. Non, ça peut arriver. Quand on est avec Albert, Robert, Goldberg, Gustambert, ça devient un peu compliqué. La femme sait. Ah bon. Elle sait très bien. Maintenant, je suis avec... Dans ma jeunesse, je suis avec une jeune fille qui n'a pas mon âge. Je la dépasse. D'au moins 5 ans ou 10 ans. Bon, donc, elle sait que j'ai les moyens. Et on sortait ensemble. Un jour, j'ai fait un rêve et je l'ai appelée. Oui. Elle est venue. J'ai fait un rêve qui ne m'avantage pas. C'est ça. Donc, les trucs négatifs que j'ai constatés dans le rêve, j'ai dit, la concernant. Et je me suis levé. Vous m'en excusez, je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis un peu spirituel. Oui. Donc, je lui ai dit, mais écoute, il y a quelque chose qui se passe là et je n'ai pas compris. Elle me demande quoi? Elle est déjà enceinte. Hein? Oui. Le jour où elle est venue me voir, là, elle est déjà enceinte. C'est ça. Que je ne comprends pas, donc tu as un autre homme dans ta vie. Elle dit non, jamais. Une jeune fille qui a 25 ans, 25 ans, et j'en avais 30 ou 31. D'accord. Mais tu as un autre homme dans ta vie. Elle dit non. J'ai dit non, si tu ne me dis pas la vérité, donc je te donne l'eau, j'ai préparé l'eau, j'ai dit ben je te donne et que on se sépare ou bien on continue. Oui. L'eau est sortie, elle a dit bon, pourquoi tu sors l'eau? Laisse-moi, je vais te parler. J'ai dit mais il faut parler. Encore parle, parle parce que je n'ai pas compris. Et là où tu es, même tu es enceinte. Et quand j'ai dit ça, elle a tiqué et elle me dit bon d'accord, qu'elle va me raconter qu'il y a un transporteur qui l'avait cotisé. Qui l'a transporté quelque part. Et aujourd'hui, c'est elle qui devient transporteuse de la grossesse. Et au fil des temps, ça dit, j'ai continué l'investigation. J'ai continué l'investigation et c'est sa maman qui a cautionné ce scénario. Parce qu'elle doit rester auprès de moi. Oui. Donc, j'ai continué, j'ai dit, mais... Et j'enregistrais tout ce qu'elle disait. J'enregistrais tout ce qu'elle disait. Quand elle me disait, bon, que sa maman... lui a dit que si elle se sépare de moi, elle va souffrir. Elle dit, ça veut dire quoi ça? Bah, tu as un enfant. Tu es en train de garder la grossesse de l'autre, non? Oui. C'est ça, non? Bon, maintenant, nous allons vers un témoin. Ce ne serait pas entre nous deux. Oui, oui. Et je me suis rapproché d'une sœur qui a écouté. Quand la sœur a vu, elle dit, ah, écoute, toi, tu es gentil, hein? Il faut bien garder. J'ai dit, non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Ce que toi, tu n'as pas compris, c'est ce qu'elle va te dire devant moi. D'accord. Elle a raconté les choses devant ma soeur et on s'est séparés le jour-là. Oui, sagement comme elle ça. Elle n'a pas cessé de m'appeler. Oui. Et je lui ai dit, non, on va continuer avec ton monsieur. Ton transporteur. Allez vous transporter de l'autre côté. Et voilà. Oui. Donc si je n'avais pas,
je n'avais pas fait ce rêve ou bien je n'avais pas l'intention d'aller directement, oui, l'affronter directement. Alors que tout le monde n'a pas la chance d'être spirituel et d'avoir d'autres opportunités, je dirais d'autres moyens, hein, au-delà du visible pour voir les choses. Alors, je ne vous coupe pas encore, oui, quoi, Médéon, je voudrais donner la parole à Ghislain Jérôme Diroquin. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à des moments donnés, au-delà de l'exemple également de Ella Glele, que parfois le fait d'amener, de transporter, n'est-ce pas, la grossesse de quelqu'un à une autre personne, c'est lié aussi, je dirais, à des difficultés financières. C'est-à-dire la femme trouve que parmi ses partenaires, c'est le plus nanti ou celui qui a mieux, que celui qui a plus de moyens. Donc elle préfère donner la grossesse à celui qui a plus de moyens. C'est le multipartenariat qui cause ça. Quand la femme est trop ambitieuse, elle a l'ambition démesurée, elle peut y arriver facilement. Même si tu vises l'argent de l'autre côté, tu trouves que celui pour qui je suis tombée enceinte ne veut pas de la grossesse ou n'a pas les moyens nécessaires pour me supporter. Mais ça ne sert à rien qu'en voulant régler un problème que tu en crées d'autres. L'enfant qui appartient à une autre famille... Oui, bon, elle peut pas régler peut-être le premier problème qui est un problème de subsistance. Ça va te rattraper. L'enfant bon, ça, c'est le futur. Elle pense au présent. Elle pense au présent. C'est pas seulement le présent. Et dans le multipartenariat, là, est-ce que vous avez constaté que la plupart du temps, c'est les chômeurs qui sont les plus rapides à en sauter? C'est-à-dire celui qui a les moyens, lui, on dirait que lui n'a pas l'énergie. Il n'a pas l'énergie pour non, bien, vous ne faites pas le constat. Il n'a pas le temps nécessaire pour ça. Tu fais l'enfant pour une autre famille, et tu amènes ça dans une autre famille, on lui fait les cérémonies de cette famille-là, mais c'est grave. C'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Mais non, c'est grave. Vous savez, je connais un directeur, d'une société, pas les moindres béné ici. Il a eu 5 enfants avec sa femme. Mais quand vous voyez ce couple-là, sincèrement, je dirais que c'est le meilleur couple que j'ai connu dans ma vie. L'harmonie. C'est que tout. Les 5 enfants, c'est au soir de la vie du monsieur à l'âge de 65 ans que la femme l'a déclaré officiellement. Écoutez, l'aîné ne t'appartient pas. Je garde les prénoms. Tant ne t'appartient pas. Tu as 3 enfants avec moi. Mais l'homme, en voulant quitter son poste de DG, a tout fait pour placer l'aîné à sa place. Il a dit, bon, tel enfant ne respecte pas bien, tel enfant est trop agité, je ne veux pas... Alors que l'aîné en question n'est pas son enfant. Il a laissé ses enfants biologiques et a trouvé de poste aux 2 enfants qui n'étaient justement qui appartenaient pas à quelqu'un d'autre. Et ceux-là, aujourd'hui, ils occupent les meilleurs postes, ils ont les maisons, des voitures. Ils ont fait le tour des tribunaux, que ce soit à Cotonou et certaines villes. Après, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'AVC l'a pris. Ça n'a même pas fait 6 mois. Il est décédé. Mais la femme s'est remariée après. Je l'ai vu encore dans le pantalon pendant des années avant de la perte de vue. Donc, quand nous voyons un peu les conséquences, je pense qu'il serait préférable. C'est comme il le dit en fond. Et dans nos bouts, sans en. Et donc, bonjour, madame. Il serait préférable de dire très tôt à ton mari celui. La chambre dans laquelle tu es. Elle vous dira que ce n'est pas facile. C'est pas facile, nous savons. Mais il va prendre un peu de temps et l'accepter. D'accord. Allez, nous allons. Élever les enfants jusqu'à un niveau donné avant de se rendre compte que. D'accord. Nous allons ouvrir la ligne aux téléspectateurs, n'est-ce pas, hein, ceux qui désirent intervenir pour nous accompagner dans le débat. Mais on va donner la parole à Ella Glele en attendant. Ce serait votre deuxième prise de parole, Ella Glele, le temps pour vous amener à vous prononcer sur cet aspect, l'aspect, je dirais, pécunier. Hein, les femmes qui choisissent, dans le multipartenariat là, choisissent d'attribuer la grossesse, n'est-ce pas, à un homme parce que, bon, il paraît le mieux nanti parmi, sur la liste. Moi, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Je me demande si elles réfléchissent. J'imagine même comment elles vont vivre dans la même chambre avec ce monsieur en le voyant tous les jours. Le soleil va se lever le matin, se coucher le soir, rien ne va se passer. Ça ne serait pas facile. D'accord. Allez, on prend le téléspectateur en ligne, le tout premier ce matin. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Sam Raymond. Ah, monsieur Sam Raymond, comment allez-vous? Je vais très bien, j'appelle de Agra. Ah, ça nous fait plaisir.
Oui, bonjour le plateau. Bonjour, bonjour monsieur. Monsieur Sam. C'est vraiment un sujet compliqué. Hein. Waouh. Oui, c'est compliqué et à la fois triste. Et je dis merci à ma soeur qui est sur le plateau. Elle a déjà donné les conditions dans lesquelles ça peut se passer. Oui. Mais que la femme qui procède de cette manière sache que au soir de sa vie, elle va tout payer. C'est clair, parce qu'elle crée assez de problèmes. Même aux enfants. Le papa qui se dit déjà au soir de ma vie, voilà mes héritiers. Et au dernier moment, vous vous rendez compte que les enfants ne sont pas les vôtres. C'est triste et c'est malheureux. Moi, je ne sais pas pourquoi. Sous le prétexte que si je dis la vérité, mon homme va me laisser, ne pas avoir le courage de dire la vérité et discuter avec le monsieur. Mais monsieur, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment facile de dire une telle vérité? Oui, c'est facile. Waouh! La femme est sincère. Elle arrive à dire la vérité à l'homme et que l'homme l'aime. Il y a des femmes qui sont en état de grossesse. Oui. Et les gens leur font la cour. Et ils gardent la grossesse. Elle accouche du moins. Oui. Et ils continuent avec la femme. Oui. Mais c'est ceux qui aiment souvent les terrains litigieux, là, hein, c'est-à-dire ceux-là qui s'en vont implanter leur plaque déjà sur la parcelle d'autrui. C'est eux qui aiment ces gens qui font ces genres de pratiques, ça, vraiment. Mais monsieur Laram, vous préférez que la femme dise la vérité au lieu de créer des problèmes aux enfants, à elle-même et à tout le monde. Dans certaines familles chez moi, il y a des cérémonies que les gens font. D'accord. Si on peut faire cette cérémonie-là, c'est fini. Ces enfants-là, ils vont garder les séquelles jusqu'au soir de leur vie. C'est pas bien. D'accord. Monsieur Samar. Les femmes, alors, ce que ça va lui coûter, qu'elles disent. Alors, l'enfant là, je suis enceinte. Si tu veux, et continuer avec moi, continue. D'accord. Très rapidement, une dernière question, M. Sam Raymond. Oui. Si vous faites face à une situation pareille, ou bien vous avez quelqu'un qui vit la situation et veut vos conseils, qu'est-ce que vous le direz? Moi, je confie son sort à moi. Je confie son sort à mon Dieu, je ne ferai rien. Mais je suis sûr qu'elle va payer ça. Je la confie au Seigneur de faire d'elle ce qu'il veut. D'accord. Monsieur Sam Raymond, merci beaucoup. Mais c'est inadmissible, c'est très grave même. D'accord. C'est plus que la sorcellerie. Merci beaucoup. Vous êtes unanime. Monsieur Sam Raymond, bon, c'est un homme de Dieu. Hein. Il préfère laisser ça à Dieu. Il y a d'autres, ce ne serait pas seulement à Dieu. Hein. Amis, bon, pour les filles, pour. Ça va régler ce problème. Allô. Téléspectateurs en ligne, il y a une voix féminine qui réagit. Oui, bonjour, le plateau. Merci de vous présenter. Madame de Souvi. Madame de Souvi, il y a 1000 jours, hein? Oui, hein, comment allez-vous? Nous allons bien, vous-même? Ça va. D'accord. Du plein, mon papa, et puis la grande dame. D'accord, madame Ella Gollet. Bonjour. Le plateau vous répond. Ok, je veux intervenir sur quelque chose que monsieur Hassel a dit tout à l'heure, rapidement, avant de t'aborder. Allons-y. Femme, qui appartient à la grossesse. Oui. Moi, je peux toujours soutenir le contraire. D'accord. La femme qui a plusieurs hommes va coucher avec 16 hommes pendant cette période de fécondité, ne peut jamais connaître à qui appartient l'homme, à qui appartient l'enfant. D'accord. Elle va se dire, peut-être c'est celui avec qui je faisais le 14e jour. Pas le 14e jour. Encore que dans la même journée, elle peut faire avec deux ou trois. Voilà, même si dans la même journée, si j'avais deux ou trois, Est-ce que c'est le premier, bien celui qui est au milieu, ou celui qui est à la fin? Même du 10e jour, jusqu'au 17e jour, si elle dit que c'est le 14e jour, c'est faux. Ça fait venir du 10e jour, comment ça fait venir du 10e jour? Vraiment, c'est compliqué. Garçon qui souffre, tout simplement. D'accord, madame de Souvi, on vous a compris sur cet aspect. Voilà, maintenant, par rapport au sujet, moi, j'ai connu des cas, mais. Moi, j'ai condamné les parents dans le temps. D'accord. Moi, le premier cas, pour moi, c'est un proche, c'est une famille. D'accord. Et qui a. L'homme était un peu malade avant que la femme ne tombe enceinte. Maintenant,
Après, l'homme a décidé que cette femme avait quelqu'un aussi. Ils mm-hmm. étaient ensemble. Oui. Ils n'avaient pas d'enfant. C'est la première des fesses, la dame a mené. L'homme était mal. Mais, arrivé à un moment, l'homme disait à ses parents, mm-hmm. voici ce que la dame fait, c'est pas à moi. D'accord. C'est pas, quand il dit ça, l'homme dit ça, ses parents lui disent, non, on ne dit pas ça. Tu as couché avec elle, oui ou non. Une fois que tu as couché avec elle, tu dois te porter. Mais il dit, ce que je vois là, grossesse, ça n'est pas à moi. Donc, les parents pensaient que l'homme, comme étant malade, sa maladie qui lui causait tout ça là. Oui. Elle a accouché quelques mois après, il est décédé. C'est ça. L'enfant maintenant est dans la famille. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il ne veut pas écouter. Malheureusement, la maman a été décédée des années après. D'accord. C'est que maintenant, la famille doute maintenant. Vraiment, il n'a pratiquement pas les traits caractéristiques des membres de la famille. Non seulement ça, celle-ci, c'est ce qui est dans sa tête à l'église. Qu'il fait? Il n'écoute personne. Vous comprenez, tous les parents avaient pris le problème avec lui dans le temps. Il a déjà commencé par lancer les cailloux. On allait déceler à qui appartenait et peut-être la femme allait avouer bien quelque chose. C'est vrai. Maintenant, le deuxième cas, la fille est enceinte, elle a accouché dans une autre famille. Elle sait que l'enfant là, que j'ai accouché là-bas n'est pas du premier. Elle est bien consciente. Elle a fait trois enfants le premier. Elle sait que l'enfant n'est pas du premier. Un jour, elle est allée voir sa tante avec qui elle était avant de connaître le métier. Oui. Elle va voir, elle va juste aller remettre l'enfant. Bon, peut-être que la tante qui l'a conseillé, cela elle aussi, peut-être ses enfants là-bas n'appartiennent pas au papa. En fait, mes parents, c'est comme ça, eux, ils réalisent. J'ai compris que c'est si je sais, à cela, l'enfant n'est pas à ça. Une fois que tu es marié, tu n'as pas dit que tu es marié, une fois que tu as couché avec ça, Donc, dès lors que tu as fait, c'est que tu as contribué, tu as apporté ta pierre à l'édifice. Allô, merci. Merci beaucoup, Madame de Souvi. On va permettre à une troisième personne dans cette première manche d'intervenir. On revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ça siffle un peu. Téléspectateur en ligne, bonjour. D'accord, la régie va nous permettre. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Sur le plateau. Merci de vous présenter. Rafi Oussama. Oui, j'appelle depuis Menoté. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, ça fait plaisir de vous commencer par vous avoir depuis vendredi dernier. Merci, monsieur Wahab. On vous écoute. Merci sur le plateau. Merci bien. Oui, qu'est-ce que ça fait d'élever un enfant sans le savoir, qui ne vous appartient pas? Oui. Moi, personnellement, ça me fait quelque chose que je ne pourrais pas expliquer. C'est difficile d'expliquer ce qui arrive à quelqu'un qui apprend que cet enfant, bien, ces enfants ne sont pas les miens. Et surtout quand ça arrive au soir de votre vie. Oui. Et comme l'a dit Da, que je remercie beaucoup sur le plateau, et ça dépasse, c'est comme un crime, même au-delà d'un crime. Vous voyez? Et vous voyez, le phénomène, c'est un phénomène qui existait il y a longtemps. Et cela ressemble un peu au débat que nous avons fait la dernière fois. Et dans le bout du temps, on donne un enfant en mariage à quelqu'un, et par reconnaissance. Et la fille n'aime pas le garçon à qui on l'a donné comme mari. Oui. Elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait, qu'elle ne continue pas à voir. Oui. En cachette. En cachette, vraiment. Mm. Et ce phénomène est arrivé. Mm. Et elle prend encore la grossesse en cachette. En cachette. Elle amène ça chez son mari, en cachette. Son mari, merci. Et le mari, c'est mon enfant, il va le lever. Et l'exemple également, tu dis que est donné par madame. Et la femme vient en mariage, elle était déjà enceinte de quelqu'un, elle amène l'enfant dans la maison, on l'élève, ce n'est pas mon enfant. Là, c'est notre cas de figure. Oui. Maintenant, ici, ce qui est vraiment écœurant ici, c'est que vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà ensemble. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fréquent. Parce que j'ai les moyens, j'ai le matériel, la femme accepte d'être avec moi. Oui. Celle qu'elle aime réellement n'a pas les moyens, même. Oui. n'a pas ce qu'elle veut avec nous, c'est celui-là qu'elle aime. Donc elle continue pas à voir ce monsieur. Et elle va prendre la grossesse
C'est l'enfant, c'est deux enfants, c'est au soin de votre vie que vous apprenez ça. Donc, vous êtes chic et l'enceinteur de dehors, lui, est choc. Merci, monsieur, vous avez tout compris. À partir de ce moment, au soir de votre vie, comme l'exemple que Daha a donné également, oui. 69 ans, 70 ans, qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? En ce moment, que vous allez vous remarier à quelqu'un d'autre pour avoir quel enfant et le lever à quel moment? Bienvenue à l'ADC. Là, ça fait vraiment mal. C'est là, ça fait vraiment mal, monsieur le journaliste. Bienvenue à l'ADC. Et là, Daha a également évoqué un problème très important. Et vous êtes homme, vous devez quand même, lorsque vous êtes un homme normal, vous êtes sincère avec votre femme. Dans le foyer, vous vivez ce qu'il faut faire avec votre femme. Cela ne peut pas vous arriver sans le savoir. C'est-à-dire, à un certain moment de votre vie, vous devez constater que cet enfant ou bien ces enfants ne sont pas les miens. Et d'une manière ou d'une autre, alors, la femme est informée ou bien vous l'informez et elle sait. Et le problème est réglé à l'amiable ou bien est très tôt. Et on n'ira pas loin comme ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau des hommes à qui, vous m'excusez beaucoup, à qui cela arrive, il y a aussi un problème là. D'accord. À un certain moment de votre vie, vous avez fait des choses qui aujourd'hui qui ne vous permettent pas de constater mais de remarquer que ces enfants ne sont pas les miens. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Rafio. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien de choses aux parents de Djougou et surtout aux amis de Ménantin. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui. Merci beaucoup. Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau pour suivre les discussions. On va dire merci à ceux qui ont apporté, leur contribution. Madame Ella Glele, c'est vous qui aviez la parole avant l'intervention de monsieur Samou Raymond. On va retourner à la source. D'accord, allons-y. On va se poser certaines questions. Oui. Aujourd'hui, comment les relations se tissent? Comment les parents accepte que les enfants partent en mariage. La dot a-t-elle encore vraiment sa place? Trouve-t-elle vraiment encore son rôle? Parce qu'avant, quand il y a vraiment la dot et que les familles sont scellées, il y a des trucs qui ne peuvent plus arriver dans le foyer. Oui. La cérémonie de sortie d'enfants aujourd'hui, on en est où? Oui. Parce qu'avant, quand on faisait la cérémonie de sortie, quand l'enfant n'est pas de la famille, au moment de donner la tétée à l'enfant, soit l'enfant refuse la tétée, ou la femme commence pas à parler, ou l'enfant pleure à chaudes larmes, et on se pose des questions, et en même temps, les parents commencent à fouiller. Ça, c'est le made in Benin, ça. C'est-à-dire, c'est comme ça. Mais on a laissé tout ça. Oui. Aujourd'hui, maintenant, aussi, on a les familles, papa, maman, enfant, il n'y a plus de grands-parents, on ne veut plus vivre avec les grands-parents, donc il y a tout. On doit aller encore à la source, aller fouiller, chercher pour voir vraiment si nous sommes encore dans nos réalités parce que ça nous manque. D'accord. Alors, Koko Hassan Mede, voyons, on est tous unanimes sur la capacité de nuisance des femmes en ce qui concerne cet aspect, l'aspect d'amener l'enfant d'autrui pour permettre à l'homme avec qui elle vit de jouer aux éleveurs. C'est à la limite de l'élevage et de l'investissement dans une entreprise non porteuse d'espoir. Quand on a fini de dire ça, je voudrais qu'on revienne sur ce qui était, je dirais, nos pratiques par le passé, un peu comme le souligne Ella Glele. On sait qu'on a des cérémonies de sortie d'enfants. Et même avant l'intervention de l'enfant, il y a d'abord comment les relations se tissaient. Aujourd'hui, on se voit au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, on se coince derrière Chabal, et on s'en va se reposer à Calabi. Le lendemain matin, nous voici en couple. Et avant la fin du mois, en même temps, on vous annonce la grossesse et puis pas vous êtes marié. C'est-à-dire un passage vraiment rapide comme l'éclair. Je voudrais saluer le colonel Ossou Gadé qui écoute, qui suit régulièrement cette émission. Un bonjour au particulier. Sans oublier l'inspecteur des impôts Water. Oui. Il est à Boumé. Donc un fidèle téléspectateur. Oui, c'est des fidèles. Et je m'en vais vous expliquer que nos panégyriques jouent un grand rôle. À Komimlan. Par exemple, le colonel Ossou Gadé, lui, il est Dogan. Moi, je suis Aïno. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, ce que je m'en vais dire, c'est ceci. Et quand votre femme est enceinte, et nos camps, Dogofa. À Dogofa. Et nos camps, Dogofa. C'est ça. Fano Djaïbon. Vieux de Khomeo. Et nos Dohodeu. C'est ça. Et nos Dohodeu. Ouais, tu vois, Vionaton. Ça commence par là. Ça commence par là. Et c'est un peu comme avant sur consommation. Et quand, une fois l'enfant né, les tantes arrivent, on commence par
prononcer les panégyriques à coton. Si vous dites Vioton, vous nous en avez dit, mais m'lundi. Et la vie est bonne et m'lundi. Et la vie c'est ça. Hein? Oui. Donc, il y a des choses que nous oublions, nous négligeons en nous confiant, je ne sais pas, naïvement aux églises. Les églises sont là. On a reçu choses, les pasteurs et prêtres dans notre. Dans nos couvents respectifs. D'accord. Est-ce que vous voyez? Dans nos coutumes, on a reçu ces choses, ces adorateurs de Dieu. Mais seulement, il ne faut pas qu'ils oublient que nous autres, nous aussi, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu et nous avons des principes sur lesquels on se base pour conduire nos vies de famille. D'accord. Maintenant, quand l'enfant est né et que il est consommé, il n'y a plus ces pratiques avec nous. Il n'y a plus ces pratiques. Et quand l'enfant est né, on ne veut plus aller au village avec sa maman et l'enfant. On reste à Cotonou. On dit non, que là-bas, on tue. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie est là. Alors que c'est vous qui pratiquez la vraie sorcellerie dans les foyers, dans plusieurs foyers. Oui. Comment expliquer une femme qui tombe enceinte d'un autre homme et qui reste auprès de toi, vous couchez dans le même lit et qui est là jusqu'à accoucher l'enfant et tu élèves l'enfant, tu éduques cet enfant. Tu donnes de l'argent chaque matin à cet enfant. Tontine. Et que brutalement ou bien finalement, on te dit non, cet enfant ne t'appartient pas. Ça a tué beaucoup d'enfants. Ça devient une vie ICC, une vie. Il y a de ces familles dans lesquelles, Giselaine Jérôme dit aucun, lorsque la grossesse n'appartient pas au père, en tout cas n'appartient pas à la famille, la femme a des difficultés à accoucher. Ça, c'est entre autres méthodes, éléments. Est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas, comme l'a dit Ella Glélin, retourner aux sources? C'est important de retourner à la source parce que nous avons laissé beaucoup de pratiques. Combien sommes-nous aujourd'hui à amener encore nos femmes, nos enfants au village pour les bénédictions? Non, il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie là-bas. Quand tu amènes ta fille de 14 ans au village, en même temps qu'on a vu qu'elle a une certaine générosité au niveau des poitrines, en même temps, paf, on vous dit qu'on veut la marier. C'est ce qui me tue, monsieur Ouahab. Ce sont nos réalités. Entre-temps, les femmes avaient peur de ça. Quand tu vas au village, tu trouves notre Taïnon qui te dit, écoutez, chez nous, on ne puise pas de l'eau la nuit, on ne balaie pas la nuit, on ne prend pas l'argent d'un autre homme. On te fait ces interdits-là et on te donne même de l'eau à boire. Mais tu as peur de pratiquer ces choses-là. Tu as peur de même prendre ses bon ça c'est au village c'est à Cotonou ici il y a des familles jusqu'à ce jour quand tu es dans leur chambre tu commets l'adultère, il n'y a rien à dire. Tu vas trouver Gungun et blanc et Gungun rouge et Gungun long et Gungun court et court. C'est à toi de gérer. Vous voyez, aujourd'hui les femmes prennent des dispositions techniques, tactiques et pratiques et tout. Il y a des familles, vous venez de le dire, quand l'enfant ne t'appartient pas, elle aura du mal à accoucher. Mais elle prend déjà des dispositions. Elle connaît déjà chez les marabouts, elle connaît déjà chez les boukonos, parce qu'elle sait que ce qu'elle est en train de pratiquer, c'est pas une bonne chose. Elle prend ses, maintenant, le boukono aussi, qui est gardien de la tradition, il de l'argent. Il y a un problème. Mais je vais soulever l'autre point de l'histoire. Oui. Nous n'allons pas seulement jeter de la pierre aux femmes. Nous devons partager les responsabilités. D'accord. Les hommes ont aussi leur part de responsabilité dans cette histoire. D'accord. Donc ils doivent assumer. Ah oui. Mais tu es conscient que cette grossesse t'appartient. Et compte tenu de ta situation financière, tu sais que tu es étudiant. Et tu vas enseigner. Tu es un sonnaillon. Comme moi. Et tu vas enseigner. Alors que la femme, elle veut et Benayon. Et tu refuses cette grossesse.
Tu sais pertinemment que c'est ta grossesse. Oui, mais tu refuses. Et tu refuses catégoriquement cette grossesse. La femme, ou la fille est obligée d'aller attribuer tu ça. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle a tenté à plusieurs reprises d'avorter, ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne chose. Ça n'a pas marché. Oui. Ou finalement, elle se dit, bon, je ne vais pas avorter cette grossesse parce que c'est mon premier geste. Oui. Et en tant que papa, tu es conscient que ça vient de toi. Mais ton père est en train de refuser la grossesse. Alors, là où la vérité surgit, c'est que ces hommes-là reviennent des années plus tard. Pour voir, oui, ils ne pas reconnaître la maternité. C'est là que la femme est obligée de dire la vérité. Sinon, des fois, la femme ne doit rien dire. Juste dire. Il revient après des années parce qu'il est allé consulter. Il faut aller chercher cet enfant. Soit il a des blocages dans la voilà. On lui demande attention. Détruit la vie. Tu dois faire la paix avec l'enfant. D'accord. Alors, il se retourne pour dire voilà, je veux mon enfant. Si tu ne donnes pas mon enfant, tu vas dire à ton mari que c'est mon enfant. D'accord. Alors, Elaglele, on va retourner au matin de l'histoire. L'histoire qu'évoque tout à l'heure Gisèle Jérôme du Roquin. Oui, le monsieur, le réel auteur de la grossesse, parce que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux responsabilités. Il décline la paternité de l'enfant. Est-ce que cela devrait justifier le fait que la fille ou la femme enceinte aille attribuer cette grossesse à autrui? Non, cela ne devrait pas justifier ça. C'est pourquoi on dit que la femme aussi doit être stable financièrement avant d'aller contracter une grossesse. Oui. C'est pourquoi on dit, affaire de grossesse là, c'est pas pour 18 ans, c'est pas pour 17 ans. C'est pas jeu d'enfant. Non. Il faut être déjà bien assise pour savoir, au cas où l'homme va refuser, je vais m'en charger tout seul. Avec mes parents pourront m'aider à garder la grossesse. Et chemin faisant, si tu trouves un homme qui t'aime, qui veut bien t'accepter avec ton enfant, il t'accepte. D'accord. Mais n'attribue jamais la grossesse. Parce que d'abord, tu fais du mal à l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant va devenir demain. Tu lui fais du mal. Si tu gardes. Et demain, cet enfant même ne va plus te considérer comme ça. Mais parce qu'il va te dire, mais c'est à cause de toi, maman, que j'ai tous les problèmes du monde. Oui. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Ça ne donne aucun droit à aucune femme d'aller attribuer la grossesse de X à Y. Donner à César ce qui est à César. César d'accord. Alors, je reste toujours avec vous, Ella Glele. Je sais que vous venez d'une région traditionnelle et d'une famille traditionnelle également. Comment partager avec nous comment les choses se font dans les familles Glele, les familles royales, comme chez vous? Comment les choses se font pour peut-être limiter au mieux ces dégâts, ces situations que nous vivons? Chez nous, déjà, il y a la dot. Oui. Après la dot, il y a, bon, si c'est, tu épouses une princesse chez nous, après la dot, il y a une autre cérémonie qu'on appelle, comment je vais dire, vous pouvez dire ça encore, oui, d'accord. D'accord. Après tout ça, là, maintenant, quand la femme accouche, si tu ne veux pas faire sortir l'enfant dans ta famille, on le fait sortir dans la famille de la femme. D'accord. Et là, on demande... qui est revenu, tout ça, bon, ça se fait. Oui, c'est-à-dire qui l'enfant est gardé. Tout ça, là, il y a tout en cotonni, d'accord. Et puis, toi-même, la femme, moi, tu dois, moi, par exemple, je connais le panel de mon mari, quand mes enfants pleurent, ou tombent, ou elles sont fâchées, mais je leur dis ça, et puis elles commencent pas à sourire. Sourire. Pas et vous c'est dites ça aussi à papa, faut pas écouter cette partie, parce qu'il y a des moments que, et dans papa, la maternostrophe. On veut soutenir des trucs à papa. Quand dit ça, en même temps, la haine de ce tâton, binon. Il y a tous ces trucs là et dans le temps même il y a des familles dans lesquelles on verse de l'eau sur la toiture trois fois et on appelle le prénom fond de l'enfant. Et si l'enfant n'est pas vraiment de la famille, il y a quelque chose qui se passe. Qui se manifeste et puis on comprend que c'est venu d'ailleurs. C'est venu de France. C'est un moment où tu mets ton enfant au dos parce que on n'a plus du tout de ces trucs-là aujourd'hui. Et moi, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ces trucs-là. Pour que vraiment... Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ne connaissent même pas les panégyriques de leur mari. Et si maintenant, si tu laisses un quoi, si la fille a dit, mais alors, à côté d'une fille, tu es d'accord. Oui, justement, Jérôme Dionquet, la régie va nous permettre d'ouvrir la ligne également à nos téléspectateurs. Nous sommes en train d'abandonner nos valeurs. J'ai assisté une fois... Justement, vous allez prendre le téléspectateur en ligne, s'il vous plaît. Téléspectateur en ligne, bonjour.
Bonjour le plateau. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Monsieur Ayi depuis Pau. Monsieur Ayi. Oui. Vous nous appelez depuis Pau. Bon, j'ai envie de poser même une question à Monsieur Ghislain. Je reçois que c'est lui qui m'a reçu. Et là, il vient de dire que le temps est jeté aussi encore aux hommes. Oui. Moi, je pense que ce qu'il vient de dire là, je n'adhère pas parce que en aucun cas, en aucun cas, on ne peut pas prendre procès de X et attribuer ça. J'ai pas soutenu ça. Non, il ne soutient, pas ça. Mais ce qu'il a dit, il a dit qu'il y a les hommes aussi qui... Si elle sait que l'homme l'a refusé, pourquoi? C'est ça la dame que la grossesse n'est pas faite de 18 ans, 17 ans, 15 ans. Il faut voilà que c'est arrivé. Non, je ne suis Est-ce qu'on peut soutenir l'homme? Est-ce qu'on peut, conseiller un homme de refuser sa propre grossesse? Il conseille quoi à la femme? Il veut qu'elle fasse quoi? C'est la peur, la jeunesse, c'est la peur. C'est parce qu'ils ont peur, une ne peut pas... Peut-être que la femme aussi, elle a peur, c'est pour ça qu'elle aussi a remis ça à quelqu'un d'autre. Elle ne doit pas avoir peur. Mais l'homme peut avoir peur. L'homme qui est censé être le plus courageux peut avoir peur. Si la femme fait ça, la femme donne la grossesse de quelqu'un d'autre à un X, Y, ça c'est un crime contre l'humanité, c'est ça les vrais crimes même. D'accord, maintenant, monsieur Prosper. Oui. Lorsque un homme, n'est-ce pas, comme vous dites que c'est la peur, lorsque un homme enceinte une femme, il est conscient que c'est sa grossesse, mais il refuse. Il veut que la femme fasse quoi? Que la femme aille jeter ça où? À la mer, dans une poubelle, à où? Elle doit donner la grossesse et attribuer le nom de famille à ce dernier. Elle va prendre soin de la grossesse comment? Grâce à qui? Et qui va s'en occuper? Elle doit connaître même quand même son... Mais elle a voulu. Si elle sait que... Normalement, avant que je sorte avec quelqu'un, il doit savoir qu'au moins il peut assumer quelque chose. Oui. Mais lui qui a bien qu'il ne peut pas assumer, mais il peut rentrer dedans. Ah là, c'est dangereux. Les femmes sont en prison. Allez, maintenant on est au même dénominateur. Allez-y, d'abord, le développement, monsieur Ali Prosper. Allez, bon, merci. Ah, la connexion avec monsieur Ali. Monsieur Ali, vous êtes toujours là? Allez, avec la combinaison de la régie. On va poursuivre, oui, vous étiez dans un... Je disais tout à l'heure que nous sommes en train d'appliquer nos valeurs, que j'ai assisté une fois à une cérémonie de sortie d'enfants. Ils ont fait toutes les cérémonies, et il y a une partie là, on dit, ils iront au champ. Et là, je ne sais pas si vous connaissez la partie là, on a envoyé les bonnes femmes, les femmes de la famille, les tantes, etc. Elles sont parties. Mais celle qui a enfanté là, elle est tombée là-bas. Au champ. Elle est tombée au champ. Elle n'a rien eu, mais elle est tombée comme ça. Quand elles sont venues à la maison, elles ont raconté ça au chef de la collectivité qui a dit que, attention, c'est pas un bon signe. C'est de là qu'ils ont appelé un bocon, ils ont fait la consultation, ils ont dit qu'elle a quelque chose à dire. D'accord. C'est là qu'elle a avoué, sur place, que en fait, l'enfant appartenait à un S qui est venu au pays récemment et ils se sont vus. Quand elle est tombée enceinte, elle a tout fait pour que l'homme puisse monter sur... Et ne sachant pas, lui aussi. Il a monté. Et voilà, vous voyez un peu. C'est pour dire, je viens un instant, c'est pour dire, nous ne devons pas totalement abandonner nos valeurs. Quand tu fais un enfant, ta maman vient vers toi, elle prend l'enfant, elle regarde les pieds, on sait déjà, les oreilles, elle te dit automatiquement. On va dire que la belle-mère a la sauce. On ne veut pas voir ta maman chez nous. Elle est sauce. La belle-mère ne vient pas laver notre enfant. La belle-mère a la sauce. Qu'on peut assez mettre, on vous écoute. Il y a de cela deux semaines, j'ai perdu un oncle et je suis allé au village. À chaque décès, on m'appelle, je les assiste. Et le défunt a refusé, selon le FA, le défunt a refusé que la femme de son enfant lui amène le pain. C'est-à-dire, elle a d'avoir nous mis. Le premier Bokono a dit ça, on a appelé un autre Bokono. Le second Bokono aussi a confirmé que nous avons assis droit devant nous à ce tweetor. Peut pas faire ça à son beau-père. Maintenant, on a commencé tout doucement. Vers 17h, on a commencé à 17h, on a fini vers 22h. Puisque la femme est venue avec ses parents. Elle est enceinte. Elle est venue avec ses parents. Et sa maman
lui indiquait, lui disait allô mené quoi de mené na waya fabé fabé bon au moins mené mené on a quoi et j'ai les lignes quoi de mené zemu gole mo waya fabé et les amo mené à les jibo adon mo wani wa ko go amaya waya fabé boy de kaka soja tonglorupo une mesure de, c'est un kilo de soja. Oui. La femme a reçu un kilo de soja. Oui. Et chez un homme. C'est un homme. Chez un homme. D'accord. L'homme l'avait courtisé et ils se sont vus. Et l'homme lui a donné un kilo de soja. Mm. Donc c'est de cela on est en train de consulter du matin au soir. Oui. Et c'est vers 21h, 22h comme ça que elle s'est délivrée avec le problème de soja. Oui. Donc, vraiment affaire de soja. Soja. Le soja culteur. Et cambiore elle en savoir elle a le temps voir tu en dois voir nous mais quoi le beau-père a refusé carrément et qu'on a d'avoir nous et mieux mais faille bédoyer soja de yo est-ce que vous voyez maintenant pas comme il a dit était un amblo né un amblo là et c'est d'ajou là et voilà là voilà et na yoro mais on va mais les soja ni on ne na wa quoi. Tu vois, voir des boulets dans ça. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, elle a dit via. Elle a dit via. Elle ne va pas accoucher. Oui, oui. Donc c'est, je dirais que c'est une famille verrouillée. Non, c'est une famille hautement verrouillée. C'est pour vous dire que si nous laissons nos traditions à la place de choses de culture importées, là, vous vous trompez largement parce que nos parents ont verrouillé le système d'une manière où. Si vous rentrez dedans, dans le système là, alors là, une côte ou un aton. D'accord. On va faire un tour de table maintenant. Notre thème, c'est qu'est-ce que ça donne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait d'élever sans le savoir les enfants qui ne sont pas les vôtres. Je voudrais que chacun essaie, lorsque par exemple on vous pose le problème, quel conseil vous avez à donner, Madame Ella Glele, quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui peut-être a passé des années à élever des enfants d'autrui sans le savoir et que bon, finalement, je dirais, il est dérivé, il a procédé à la découverte. Oui. Il a su à la fin que l'enfant ne lui appartenait pas. Voilà. Quel conseil vous avez à donner? Comment il va se comporter? Que va-t-il faire? Si c'est un homme, je lui dirais tout simplement qu'il a déjà fait tout ce qu'un homme doit faire. C'est vrai, ça va faire mal. Surtout s'il n'a plus d'autres enfants. La douleur de ça. Qui lui appartiennent vraiment, qui sont de lui vraiment, ça va faire très mal. Et je vais lui donner du courage parce que il a tout le mot courage sinon elle ne peut rien y faire puisque le vieux est tiré. Maintenant c'est comment est-ce que cet enfant sera reconnaissant envers ce père. D'accord, on va revenir sur cet aspect. D'accord, parce que ce père a déjà tout fait pour lui là. Ça croit que c'est son enfant, quoi. D'accord. Lui, ça attend qu'au soir de sa vie, cet enfant prenne le relève. Oui. Mais voilà. D'accord. Alors, Ghislain Jérôme Duo, quelle industrie allons-nous trouver pour produire la dose de courage nécessaire, n'est-ce pas, à donner à l'homme qui a passé des années à élever des enfants qui ne lui appartenaient pas, alors qu'il ignorait, bien entendu. Nous allons mettre Dieu devant. Mm-hmm. Nous allons mettre Dieu devant. Ah. Et lui parler. Ah, ça dépend de quel Dieu. Est-ce que c'est le Dieu béninois? L'éternel des amis. Seul lui pourra lui donner ce courage. C'est pas facile. C'est compliqué. C'est dur. Parce que ça paraît très facile. Hein, parce que vous êtes en train de dire sur le plateau, là, c'est pas tout le monde qui est prêt à laisser les choses à Dieu. Il y en a même qui prennent des médicaments, des trucs pour laisser la vie. Parce que c'est d'abord une honte. Oui, et il y a d'autres qui diront que je ne veux pas mourir pour elle. Je préfère plutôt lui jeter un sort. Ça arrive. Quand on va me présenter ce cas, je vais essayer de trouver le morceau de Gégé Lapineau que je vais lui faire jouer. À savoir. Vanité, tout est vanité. Et je vais lui dire de considérer qu'il a même lui a fait ses propres enfants et qui sont décédés par accident. Il va vivre, n'est-ce pas? Nous allons demander à l'Éternel d'orienter ces enfants-là qu'il a eu à nourrir pendant des années, qu'il a eu à scolariser, etc., d'être reconnaissant envers lui. Parce que tu peux avoir 7 enfants et sur ces 7 propres enfants-là, aucun d'entre eux ne te fera du bien. Ils ne vont même pas te calculer. Et c'est 7 enfants que j'ai élevés. Et c'est 7 enfants
qui ne t'appartient pas, qui peut penser à toi. En tout cas, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est quand tu as des enfants et tu sens que tu as été aidé par le voisin, par le voisin, bien les différents voisins de la maison. Franchement, c'est compliqué. Pourquoi c'est m'aider, voyons. Quel conseil avez-vous à donner à un homme qui vit une situation pareille, un peu comme notre sujet du jour? Pour commencer, je peux vous dire que tout ce qui se passe maintenant se passait. Avant, oui. Oui. En dépit de tout. Au temps de nos parents. Maintenant, si cette situation arrivait, quel conseil? Malheureusement, si tu as un seul enfant et que ce seul enfant dit de celui-là qui n'est pas de toi, alors là, quel conseil je peux donner? Donc, tu es venu sans faire d'enfant. Oui, sans faire d'enfant. Surtout quand on t'a laissé jusqu'au soir de ta vie où vraiment tu es refroidi par le poids de l'âge, tu ne peux plus. Voilà. Maintenant, conseil à donner, il faut toujours observer pour voir ce que Dieu te réserve comme. Comment dirais-je, comme famille, d'accord, la petite famille, d'accord. Et si c'est au soir de ta vie à 65 ans ou à 70 ans, tu ne peux plus faire d'enfant. Oui. On peut faire d'enfant à 70 ans, mais seulement que tu n'as plus la force de t'occuper de son éducation et que ce n'est pas évident que tu puisses bénéficier de quoi que ce soit à tes tours. Oui. Donc, j'ai toujours dit que la femme qui est à côté de toi peut être ton bonheur ou ton malheur. La femme, celle qui est à côté de toi, on dit que vous deux là. Vous qui formez, a trouvé la femme a trouvé le bonheur, dit-on. Ah, le bonheur. Il faut savoir choisir. Le malheur aussi est là. Il faut savoir choisir. Le malheur aussi est là. Parce que quand on te déclare que cet enfant n'est pas le tien et que tu es au soir de ta vie, tu n'as plus la force nécessaire d'aller courtiser d'autres femmes. Et on te dit ça là. Alors là, tu vas rester là. C'est compliqué. Ça va réduire même ta durée de vie. Donc, quel conseil, je dirais, ce que Ghislain a dit, ou à Gassiado. D'accord. Peut-être Alors, quand j'ai posté le sujet hier, il y a quelqu'un qui a fait marrer beaucoup dans un forum. Il dit qu'au fond, que ce qui fait parfois mal, ce n'est même pas forcément ou seulement les enfants qu'on a fait ailleurs pour t'apporter, pour que tu investisses sur eux. Que parfois, c'est même la position qu'on te refuse à la maison. C'est cette position qu'on a appliquée là-bas pour prendre ça donne parfois des jumeaux. C'est la position. C'est la position à la maison alors. Parce que des fois, je me demande si ces femmes-là n'atteignent pas l'orgasme à la maison. Oui. Vraiment, il faut aussi se poser des questions dans le foyer. Oui, c'est très important. Il faut communiquer. Est-ce que ces femmes-là n'atteignent pas l'orgasme à la maison? Elles vont en trouver dehors, je ne sais pas. Parce que si tu satisfais correctement ta femme à la maison, et elle est bien entretenue, il y a le respect mutuel. Je ne vois pas ce que la femme ira chercher encore au dehors. Donc, peut-être qu'elle a un manque quelque part. Oui. Si on s'approche de ce genre de femme. Non, on ne communique pas pour discuter de ce manque. Non, mais il y a des hommes qui n'aiment pas communiquer. Parents, hein, aussi. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Pas là. Quels parents? Il y a des hommes, même quand maman parle, c'est comme moi, j'ai dit qu'il se passe chez moi. Madame Glélé. Cette affaire de position là, ça vous fait mal aussi. C'est ça, oui, ça doit faire mal. Tout le monde. Tu refuses une position à la maison. Tu m'as offert ça. Et tu ramènes avec. Et tu reviens avec grossesse. Pourquoi vous aussi ne faites pas la position à la maison? Il faut le faire. Eh oui. On n'a pas l'homme de faire ça ou bien vous. Faudrait s'entendre sur ça. On va s'entendre sur ça. On ne peut quand même pas tout avoir chez un seul homme. Toi, femme, tu veux un homme qui a déjà un travail, ce qui est normal. Un homme qui a déjà un travail, qui peut subvenir aux besoins de la maison, c'est pas encore grave. Tu veux un homme beau. Pas forcément. Hein? Toi seul, tu veux l'argent qui est la beauté. Un homme qui a de l'argent. L'homme a rempli déjà toutes ses conditions et tu veux encore la virilité. On ne peut quand même pas tout avoir la foi. Dieu ne donne pas toi un seul Dieu homme. Tu dois te contenter de ce que tu as communiqué avec ton homme. Si peut-être tu as eu l'habitude d'ailleurs d'aller jusqu'à 40 minutes, 50 minutes, et Dieu t'a donné un mari qui arrive à te satisfaire pendant 15 minutes. C'est très important. Écoutez, quel homme dira qu'il a eu tout ce
qu'il voulait chez sa femme. Non, on se complète. Oui. Mais dit que l'homme doit voir tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène aussi les femmes à aller chercher à se compléter? C'est pas possible. C'est pas possible. Que, oui, elle estime que bon, son mari seul à la maison, nos parents ont laissé le maman à la maison. Oui. Ils sont allés faire 14 ans à l'étranger. Ils sont venus. Bon, on ne comprend pas ce que je veux dire. Les papas ont pris la discussion. Une contribution très rapidement, un ami commun qui dit bonjour le plateau, bonjour Ghislain Jérôme Diroquin. Vous savez que ce fait est actuellement dans ma concession, chez moi 100%. C'est l'ami direct au mari qui a fait 3 enfants dans le ventre de la femme. Et durant tout ce temps, les deux amis font tout ensemble, c'est-à-dire manger ensemble, boire ensemble et travailler ensemble. Ils se voient régulièrement. Il arrive même des moments de discorde dans ce couple et c'est l'ami qui vient intervenir et le calme revient sans que personne ne sache. Mais c'est le 4e enfant qu'elle a voulu faire maintenant et l'accouchement est tellement compliqué au point où les sages-femmes ont demandé à la dame de révéler ce qu'elle a dans son cœur à son mari. Sinon, c'est étrange. Elle ne pourra pas accoucher facilement. C'est de là que la femme a réveillé son mari la nuit profonde pour lui avouer que tous les enfants, n'est-ce pas, sont de son ami direct. Qui les a fait brièvement l'affaire au tribunal et la femme est rentrée chez elle pour le moment. Le mari risque de devenir fou maintenant puisque psychologiquement, il va plus bien. Vous voyez, donc il y a vraiment une situation nuisible dans les foyers. On a parlé d'AVC tout à l'heure. Il y a vraiment le choc émotionnel que l'on peut avoir après avoir découvert que les enfants ne l'appartenaient pas. Et dans les tribunaux, ça se passe comment? Ils règlent ça comment? Ils essaient de régler ça avec, je dirais, le professionnalisme. Il y a pour les acteurs. Voilà, le spécialiste des questions de mariage et autres. Allez, nous sommes dans les toutes dernières minutes du plateau. On va prendre 5 minutes pour essayer de conclure. Qu'est-ce que vous pensez n'avoir pas pu dire sur ce sujet très rapidement, Koko Hassen Medewayon? On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur nos différentes thématiques. Je n'ai pas parlé de la sincérité en couple. Entre deux personnes. Mari et femme. Mari et femme, vous êtes ensemble. Et quand tu constates que la femme évite la vérité, ou bien c'est l'homme qui évite la vérité, il faut toucher de doigt les réalités. Il faut appeler ton partenaire et lui dire, tu évites certaines vérités que nous avons dit ici. Et c'est à partir de là que ces choses cachées-là ne continuent pas leur chemin, tout doucement leur chemin. Il faut stopper en même temps. Parce que quand tu remarques que ta femme est partie au marché, mais elle n'est pas partie au marché. Quelqu'un t'appelle pour te dire qu'elle est partie à côté du marché. On l'a retrouvée à Ouida. Alors là. Mais peut-être le marché de Ouida. Hein? Non. Peut-être qu'elle est allée au marché de Ouida. Avec ces petits mensonges-là, les fraudes-là peuvent s'insérer. Oui. Les fraudes d'enfants et tout cela. Donc, il vaut mieux éviter ces petits mensonges là à on doit dire bon nous mais là c'est quoi bon nous mais bon père à nos horses mais à dire mal de terre on doit père à nos horses au lieu de on doit dire bon on doit comme bon nous tabani bon nous mais comprendre mais des raisons pour après tu vas dire bon écoute j'ai menti juste parce que je connais son comportement. Il peut commencer par réagir autrement et c'est pour cela que j'ai menti. Ces petits mensonges là, c'est ça qui amène ces petits problèmes là. Ces grands problèmes, jusqu'à tomber dans l'AVC et autres là, mourir. Il y a beaucoup d'hommes au cimetière qui ont pris par là et personne ne peut expliquer leur mort. Mais il est pourtant jeune. Juste à cause de ce genre de situation, Jérôme Diouk, je dirais tout simplement aux hommes de ne jamais laisser leurs femmes les empêcher d'être en contact avec leurs parents.
quand vous faites un enfant, la maman passe ou bien c'est le père qui passe, ils ont souvent quelque chose à dire sur l'enfant. On t'appelle, toi, garçon, t'appelle. Déjà, mais des fois, les gens disent ça et pourtant ce n'est pas votre enfant. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, j'ai accompagné ma grande soeur, ma propre soeur, n'est-ce pas, dans la zone d'Adja pour une cérémonie. Elle ne voulait pas se sentir seule et donc je l'ai accompagnée. Donc, on était là. Et donc, parmi celles qui servent les gens, il y a une dame qui avait son enfant au dos, vous voyez. À force de servir, il y a même le pain qui a commencé par le dos. L'enfant était presque sur les fesses de la maman plutôt qu'au dos. Donc, ma soeur a gentiment demandé de prendre l'enfant pour la soeur, le temps qu'elle serve les gens, vous voyez. Donc, il y a rapidement, elle a gardé l'enfant qui ne pleurait pas. Elle a gardé. Mais il y a quelqu'un qui est venu rapidement après nous avoir salué, que son enfant est beau, il ressemble à son père. Et le père, en fait, c'est moi qui pouvais. Et que ma soeur qui était là était la maman de l'enfant. Parce qu'elle a pensé automatiquement que ma soeur est ma femme et que l'enfant est l'enfant. Vous voyez, donc il y a parfois de ces affirmations qui sont juste pour la forme, parfois même pour encourager la maman. C'est-à-dire, on perd des mots pour dire félicitations. C'est vraiment, cet enfant-là, il ressemble à son père. Parce que tu n'as pas eu auparavant à rencontrer la mère de l'enfant. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Eve. Donc il y a de cette déclaration qui parle aussi ça. Mais essayons. Venant des parents, c'est difficile. On va vous dire que la belle-mère c'est difficile. C'est difficile. Les parents ne se comportent pas comme ça. Mais parfois, quand la belle-mère ne veut pas de la fille ou bien ne veut pas de l'enfant, l'hôpital, c'est ce qui se fait. Depuis l'hôpital, on te dira. On commence à t'entendre comme une colonie d'abeilles. Observons nos enfants. Viens, ils mettent en digestion au bon vent. Très bien. Observons nos enfants. Et pourquoi on amène, on amène des enfants de trucs pour les faire des cérémonies d'une autre famille? Est-ce que c'est normal? C'est grave. Est-ce que c'est normal? C'est grave. Non, pour nous, il n'y a pas de problème. C'est grave. C'est pour ça que après tout ça se révèle. Parce que ça ne peut pas rester déterminé. Un jour, ça va se savoir. Tout se rattrape dans la vie. C'est ça. Tout se rattrape. C'est pas bon pour l'avenir des enfants aussi. Oui, c'est des enfants qui, après le diplôme, n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils ne sont pas stables. Oui, des gens qui... Il y a de 16 ans. Et l'enfant a des comportements bizarres dans la famille. Quand on l'envoie, soit il s'en va perdre l'enfant, ou bien ils vont perdre l'argent, ou bien il va causer un dégât. C'est vrai que cet enfant-là ne vient pas de toi. Il faut l'observer. Ce sont eux qui chassent le chef de la famille. D'accord, donc apprenons à observer. J'ai une amie, presque tous les soirs, il fait appel à ses enfants. Et il les regarde un à un, il dit toi, il va de côté. Il va tes oreilles. Oui. Et il couche jusqu'au. Parce qu'il y a des chances qui se ressemblent. Oui. Non, parce que dans les ressemblances, il y a des gens qui ont trouvé que bon, ils ressemblent très pour très à leur papa. Mais des fois, tu ressembles très pour très à ton papa, c'est que maman n'est pas allée loin pour causer le dégât. C'est peut-être un prêt à papa, n'est-ce pas, qui a amené le parent jusqu'au niveau chaînage. Nos parents n'ont pas l'expérience de l'ADN, pourtant. Oui. Il détecte très rapidement. Si l'enfant n'est pas de toi, on détecte rapidement. Oui, mais est-ce que vous comprenez, je dirais, cet état d'âme des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui veulent que chaque état rende obligatoire le test d'ADN. Normalement. C'est normal. Oui. Ça là, c'est normal. Oui, le rendre obligatoire, c'est aussi travailler sur le coup. On peut subventionner même les tests ADN si quelqu'un, si c'est le coût est à 300 000, l'État peut subventionner jusqu'à 200 000 ou la moitié. Pourquoi pas un peu en deçà, pour permettre à... Mais avec ça, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de dégâts dans C'est-à-dire que papa peut rentrer un soir comme ça et voir que la cour est vide. Et c'est pour vous dire que le test ADN ne se fait pas à un an, deux ans. Non, l'enfant...
Honako tourner, Honako va s'en grandir à 5 ans, partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'accord. Et donc tu as pris tout ton temps à investir. Parce que 7 ans, tu as déjà entamé un second mandat, un second mandat présidentiel. Sinon, un peu moins comme au Sénégal. Ça tue. Ça tue. D'accord. Allez. Ça dans les foyers. Allez, le temps est vite passé. On va dire merci à tous ceux qui nous ont contactés. À tous ceux qui nous ont contactés. Giselaine Jérôme. Il n'y a pas eu Herman Metton. Herman Metton, aujourd'hui, certainement qu'il est occupé, n'est-ce pas? Il a notre bonjour. Il a notre bonjour. Giselaine Jérôme dit aucun. Vous allez m'aider à dire bonjour et merci à notre ami qui nous a envoyé le message Inbox aujourd'hui. On va dire merci à M. Sam Raymond qui nous a appelé depuis Agla. Madame Dosouvi également qui est venue avec deux chaleureux exemples. Monsieur Rafi Oussama qui devient un habitué des coups de fil tous les vendredis désormais. Monsieur Haï qui nous a appelé depuis Pau. Nous lui disons merci. Ils sont nombreux également à nous avoir écrit et sans doute nombreux à se bousculer au bout du fil sans la voix. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. On va dire merci à vous qui êtes sur le plateau. Giselaine Jérôme dit OK. Merci. Elle a glalé. Merci. Pourquoi c'est le médoyen? Merci. 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 Je reçois. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À midi 00, vous avez la rediffusion de ce numéro de votre matinale et au soir, autour de 23h30 dans la nuit. Merci de vous être montré fidèle. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porte Nouveau, Avapa ou Parakou, Tramza. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp